À l'ordre. Ô Créateur, que votre esprit et vos conseils nous accompagnent tout au long de notre travail pour le bien de notre peuple, pour assurer la paix et la justice au sein de notre terre et reconnaître sans cesse la dignité et les aspirations de ceux et celles que nous sommes appelés à servir. Amen. Collègues, avant de commencer cette séance, j'aimerais prendre cette occasion pour reconnaître un petit effort important ici dans la tribune. Comme vous pouvez voir, nous avons nos agents portent quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. C'est pas leur robe normale. Miss Mastron, qui est originellement de Fort McPherson, a créé ses vêtements Christian qui représentent le Mackenzie Delta. Ces vêtements reflètent l'engagement partagé de l'Assemblée législative en matière de réconciliation. Il est important pour moi, en tant que président de cette Chambre, d'apporter un changement au statu quo et d'intégrer notre culture du Nord ainsi que nos traditions du Nord dans le travail qu'on fait en tant qu'élu. J'aimerais vous remercier d'être présent ici à la célébration et d'avoir créé ces vêtements pour nos agents. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir. Joignez-moi de me joindre à Annie Jones aujourd'hui à la Chambre. Merci. Déclaration des ministres. Déclaration des ministres. Le ministre responsable de l'environnement et le changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour faire le point sur l'intervention d'urgence territoriale en cours pour aider la première nation clichée dans la ville de Hay River, alors que certains et certaines résidents résidents de ces collectivités retournent chez eux après une deuxième année consécutive d'évacuation causée par les catastrophes naturelles. Au nom du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, je présente mes condoléances à toutes les personnes touchées par les feux de forêt de cette année. Je connais personnellement cette expérience, ayant été contraint d'évacuer ma propre maison en 2021 en raison des graves inondations de cette année-là. Je sais ce que beaucoup d'entre vous vivent actuellement, ainsi que le chemin que vous devez parcourir pour réparer les dégâts et aider à reconstruire votre communauté. Je tiens à vous assurer que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest soutient activement les gouvernements locaux dans leur réponse à ces feux de forêt, tout en continuant à surveiller les risques d'inondation dans les autres communautés au cours de cette saison à haut risque. Si les habitants de Hay River ont été soulagés d'apprendre qu'ils pouvaient rentrer chez eux la semaine dernière. Cependant, il faut préciser que la ville reste en alerte d'évacuation et que les résidents et résidentes doivent être prêts et prêtes à évacuer à nouveau à brève échéance. Malheureusement, les personnes évacuées de la Première Nation de Kacho font toujours l'objet d'une ordre d'évacuation active et ne peuvent pas rentrer chez elles tant qu'elles ne peuvent pas le faire en toute sécurité. Les centres d'évacuation de Yellowknife et tous les apports associés restent actifs jusqu'à ce que l'ordre d'évacuation soit levé. On reste en place pour fournir l'information et l'aide aux personnes évacuées. Le ministère des Affaires municipales et communautaires sait que d'autres administrations locales ont apporté leur soutien aux personnes évacuées qui ont choisi de ne pas se rendre au centre d'évacuation. J'aimerais remercier toutes les administrations locales pour l'aide qu'ils ont apportée et reconnaître que cette aide a eu un coût pour vous. C'est pourquoi le ministère a mis en place le programme d'accueil des évacués pour offrir un soutien financier. Alors, j'ai écrit à toutes les collectivités locales pour les informer de l'existence de cette subvention. J'encourage les collectivités à présenter des demandes une fois qu'ils auront eu le temps de se reposer et de se ressaisir. Un travail considérable a été entrepris au cours des dernières semaines, mais que je n'ai pas le temps de
tout mentionner maintenant. Je tiens à souligner certaines des principales activités qui ont lieu. La semaine dernière, le ministère des Affaires communautaires et municipales et la Première Nation Clashon ont réalisé une première évaluation des dommages subis par la communauté. Cette évaluation servira de base aux prochaines étapes de la planification du rétablissement et permettra de conformer le nombre de maisons détruites, les maisons endommagées et les maisons dans lesquelles les habitants peuvent retourner. Le travail d'évaluation a commencé cette semaine. Les résultats fourniront des informations sur la nature, l'étendue des travaux de réparation nécessaires. Alors, on a fait aussi un examen environnemental de la zone touchée dans la réserve afin d'identifier les endroits où les déversements ont pu se produire. Des discussions ont eu lieu entre le ministère des Affaires communautaires et municipales, la Première Nation Clashon et la Société de logement du territoire du Nord-Ouest afin de coordonner l'hébergement à long terme des résidents déplacés. La Société de logement a déjà commencé à remplacer les biens détruits par l'incendie, notamment les unités d'habitation, le foyer de deux groupes, Judith Fabian. Alors que le ministère de l'Infrastructure répare la route d'accès à la communauté, le ministère des Affaires communautaires et municipales continuera à soutenir la Première Nation Clashon et la ville de Hay River et rencontrera régulièrement l'administration et les dirigeants de ces deux communautés. En tant qu'habitants du Nord, nous ne connaissons que trop bien les effets dévastateurs des catastrophes naturelles, la menace qu'elles représentent pour nos communautés et nos résidents. Je tiens à saluer et à remercier tous ceux et celles qui, en première ligne, ont apporté leurs aides au cours de cette période d'évacuation et continuent de le faire. Je tiens également à saluer la résilience de toutes les personnes déplacées par ces incendies. De forêt. Nous savons qu'il s'agit d'une période difficile et nous travaillons avec les dirigeants des gouvernements locaux pour fournir l'aide nécessaire. Enfin, je tiens à remercier les ministères des gouvernements des territoires du Nord-Ouest ainsi que les partenaires et agences externes qui continuent à apporter leur soutien. La réponse à une catastrophe de cette ampleur implique de nombreuses personnes, de plusieurs ministères et agences, et nous ne pourrions pas faire ce travail sans l'aide, on ne pourrait pas venir à l'aide des habitants des territoires du Nord-Ouest sans vous. Merci, Monsieur le ministre. La déclaration des ministres, ministre responsable de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Monsieur le Président, il y a 3 ans, j'ai été mandatée pour entreprendre l'examen d'un programme d'aide financière aux étudiants de notre gouvernement dans le but d'améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire pour tous les résidents et résidents des territoires du Nord-Ouest en réduisant les obstacles et en veillant à ce que les niveaux de prestations répondent aux besoins des étudiants. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour dire que nous avons terminé notre examen et que nous prenons maintenant des mesures pour mettre en œuvre les changements nécessaires et significatifs du programme afin de mieux répondre aux besoins des étudiants. L'examen a porté sur la conformité du programme d'aide financière aux étudiants avec l'aide des appels à l'action de la vérité et la réconciliation au Canada, les appels à la justice, les appels d'action du rapport final sur les femmes autochtones disparues et assassinées et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et analyser les communautaires reçus dans le cadre d'un sondage de satisfaction des clients. Sur la base des conclusions de l'examen, le ministère propose d'apporter d'importantes améliorations au programme. Monsieur le Président, afin de rendre l'enseignement postsecondaire plus abordable et plus accessible, le ministère augmente les niveaux de prestations pour les frais de scolarité, les livres, les allocations mensuelles de subsistance. Pour mieux aider les étudiants vivant avec un handicap, nous augmentons les subventions pour les étudiants vivant avec un handicap afin de les aligner sur les programmes canadiens d'aide financière aux étudiants et d'étendre les aides aux étudiants et étudiantes vivant un handicap persistant ou prolongé. Monsieur le Président, le gouvernement reconnaît que les étudiants autochtones des territoires du Nord-Ouest peuvent être confrontés à des obstacles supplémentaires pour accéder à l'enseignement postsecondaire. Afin d'atténuer certaines de ces difficultés, le ministère a proposé de supprimer la limite semestrielle imposée aux étudiants autochtones admissibles au programme d'aide financière aux étudiants. Cette mesure aidera davantage les étudiants autochtones à poursuivre leurs études postsecondaires, leur donnant la possibilité de terminer leurs études postsecondaires sans crainte d'épuiser le nombre de semestres pour lesquels ils peuvent bénéficier de l'aide financière aux étudiants. Ce changement encouragera également les étudiants autochtones à poursuivre des études postsecondaires au-delà des diplômes de première cycle comme les maîtrises. Monsieur le Président, afin d'assurer l'uniformité de la détermination du coût de la vie, le ministère s'aligne l'allocation de subsistance mensuelle sur la mesure du palier de consommation canadien et continuera de calculer les taux en fonction de la taille de la famille. Le ministère augmente également le taux d'allocation des subsistances pour tous les étudiants des territoires du Nord-Ouest, supprime la limite
semestrielle pour les prêts révisibles étant les prêts révisibles à tous les résidents des territoires nord-ouest. Ce changement améliorera l'accessibilité et l'abordabilité de l'enseignement postsecondaire permettant aux résidents des territoires nord-ouest d'obtenir l'éducation qui les aidera à réussir et faire part de la main-d'œuvre des territoires nord-ouest. Monsieur le Président, ce gouvernement est conscient que les étudiants peuvent être confrontés à des difficultés inattendues tout au long de leur année universitaire, ce qui peut entraîner leur abandon ou leur échec à un cours ou un programme. Le ministère reconnaît que la suspension de l'aide financière aux étudiants peut ajouter des obstacles supplémentaires à leur capacité de terminer avec succès leurs études postsecondaires. C'est pourquoi nous proposons de supprimer les suspensions de l'aide financière en cas d'échec ou d'abandon de cours. Nous proposons donc de supprimer les suspensions et que cela permettra aux étudiants de continuer à avoir accès au programme d'aide financière. Monsieur le Président, le ministère a travaillé avec diligence pour veiller à ce que les règlements, les politiques soient modifiés pour élaborer un plan de mesure des performances afin d'évaluer les résultats du programme. Les règlements sont actuellement affichés en vue de l'examen public et les commentaires doivent être envoyés au ministère avant le 31 mai. J'ai le plaisir d'annoncer que nous sommes en bonne voie pour que les modifications proposées soient prêtes pour les étudiants qui souhaitent suivre les études postsecondaires cet automne. J'encourage tous les étudiants et étudiantes qui envisagent de suivre des études postsecondaires de remplir un dossier de candidature avant le 30 juin. Il n'est pas nécessaire d'être accepté dans un programme pour déposer un dossier de candidature. Monsieur le Président, ces changements feront en sorte que le programme d'aide financière aux étudiants continue d'être l'un des meilleurs, sinon le meilleur programme d'aide financière aux programmes aux étudiants du pays. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du ministre. Le ministre responsable de l'environnement et le changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'eau, c'est la vie. Notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que nous disposons toujours d'un approvisionnement abondant en eau propre et sûre. Le moins qu'on peut dire, cette année a été difficile. Au début du printemps, nous avons appris des versements d'eau usée, des infiltrations s'étaient produits dans les sables bitumineux de l'Alberta. À notre grand désarroi, ces déversements n'ont pas été communiqués au gouvernement des TNO ni au gouvernement autochtone du territoire. Les TNO se trouvent en aval des sables bitumineux à l'eau et coulent. Et nous devons donc informer lorsque ces incidents se produisent. Monsieur le Président, ces événements ont nui la confiance établie entre le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, mais surtout les communautés situées en aval au moins confiance dans les mesures prises pour assurer leur sécurité, y compris celle de l'eau, des poissons et d'autres espèces sauvages dont ils dépendent. Aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur les travaux de surveillance de la rivière de Slave. Nous veillerons à ce que les eaux situées en aval des sables bitumineux soient sûres et nous continuerons à partager ce que le gouvernement fait en permanence pour surveiller les eaux et sur l'ensemble de notre territoire. Monsieur le Président, je tiens à rappeler que notre gouvernement a agi rapidement lorsqu'on a été informé de ces incidents. Nous avons collaboré avec la ville de Fort Smith, le conseil des métiers de Fort Smith et la Première Nation de Smith Landing pour mettre au point un programme de surveillance amélioré de la rivière de Slave à la frontière avec l'Alberta. Cette surveillance accrue a été mise en place pour assurer que l'incident de la mine de Curl n'a rien provoqué qui puisse nuire aux personnes, à la faune ou à l'environnement. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour examiner et évaluer les résultats de cette surveillance renforcée. À ce jour, rien d'inquiétant n'a été découvert dans nos eaux. Monsieur le Président, notre gouvernement continue de surveiller la qualité de l'eau au-delà de la rivière Slave. Nous avons plus de 50 sites de surveillance de la qualité d'eau dans les territoires du Nord-Ouest qui recueillent des échantillons et interprète les résultats afin de mieux comprendre la qualité de nos eaux. Dans le cadre du programme de surveillance communautaire, nous travaillons avec des partenaires de 21 communautés pour former des contrôleurs locaux d'eau qui partagent ensuite leurs connaissances avec nous afin d'améliorer notre compréhension de la qualité d'eau sur l'ensemble du territoire. Ces efforts de surveillance couvrent tous les bassins hydrographiques des territoires nord-ouest, nous aident à repérer les problèmes potentiels, à les comprendre et à prendre les mesures nécessaires pour les résoudre. Monsieur le Président, notre gouvernement s'efforce également de veiller à ce que les habitants du Nord aient voix au chapitre en ce qui concerne les sables bitumineux. Après un lobbying intensif, nous avons obtenu une représentation autochtone des territoires du Nord-Ouest au sein du comité de surveillance des sables bitumineux mis en place par les gouvernements fédéral et provincial. À l'avenir, nous continuons à veiller à ce que nos voix soient entendues dans toutes les discussions sur les rejets des résidus traités des sables bitumineux. Monsieur le Président, je tiens également à souligner ce que fait notre gouvernement pour surveiller, évaluer
les niveaux d'eau et les conditions climatiques avant et pendant les vacances de printemps afin d'aider à déterminer le niveau d'eau des inondations. Le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques est un partenaire de réseau hydrométrique des territoires du Nord-Ouest, un groupe qui mesure le niveau, le début d'eau. Ce réseau se compose de 106 stations de surveillance réparties dans les territoires du Nord-Ouest et toutes ces données sont accessibles au public. Ces données de ce réseau ont été utilisées pour publier un bulletin spécial de surveillance des eaux d'Éteinot le 5 mai. Ce bulletin informait les communautés, le public, de la possibilité de niveaux d'eau et de débit élevés sur les rivières Peel et Arctic Red pendant la débâcle. Le ministère de l'Environnement et du Changement climatique félicite la communauté de Fort McPherson et les autres communautés exposées aux risques d'inondation pour leur travail de préparation en vue de la semaine de relâche. Alors, notre gouvernement continue à travailler avec les responsables de la gestion des urgences à tous les niveaux pour s'assurer qu'ils disposent des données les plus récentes sur les niveaux d'eau et d'encourager le partage d'informations et des photos de la communauté concernant les niveaux d'eau et les conditions de glace actuelles. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest s'est engagé à garder les eaux de notre territoire propre et sûr maintenant et pour toujours. Les actions que nous entreprenons chaque jour reflètent cet engagement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de ministre. La ministre responsable de l'infrastructure. Monsieur le Président, l'amélioration de la sécurité routière est une priorité pour le gouvernement des territoires nord-ouest. Nous voulons tous que nos routes soient aussi sûres que possible pour tous ceux et celles qui les empruntent. Pour soutenir cet effort, j'aimerais annoncer qu'à partir le 1er juin 2023, le règlement sur les heures de service sera modifié pour rendre obligatoires les dispositifs d'enregistrement électronique pour les véhicules commerciaux pesant plus de 4 500 kg ou plus. Il s'agit là d'une solution conçue dans le Nord qui concilie la sécurité des conducteurs, les besoins de notre industrie locale et conformité aux exigences fédérales. Un dispositif d'aide d'enregistrement électronique et un dispositif qui permet de suivre les heures de service d'un conducteur au lieu d'utiliser un carnet de bord papier. Les heures de service sont la durée maximale pendant laquelle les conducteurs de véhicules utilitaires peuvent être en service, y compris le temps de conduite. Le gouvernement du Canada a rendu obligatoire l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique et toutes les juridictions mettront en œuvre et appliqueront ce mandat en 2023. Les conducteurs de véhicules commerciaux réglementés qui ont besoin d'un carnet de bord ainsi que les véhicules relevant d'un code national de sécurité qui traversent les frontières provinciales et territoriales sont tenus d'utiliser ce dispositif. Monsieur le Président, certains peuvent se demander pourquoi ces dispositifs ont été rendus obligatoires. Il s'agit de rendre nos routes et nos autoroutes beaucoup plus sécuritaires parce que ces dispositifs d'enregistrement électronique offrent une manière plus efficace et plus précise d'enregistrer les heures de travail des conducteurs et de pouvoir réduire les accidents en réduisant la fatigue. Ces dispositifs automatisent le suivi, ce qui permet aux conducteurs et aux transporteurs commerciaux à se conformer plus facilement aux règlements sur les heures de service en vertu de la loi sur les véhicules à moteur des territoires du Nord-Ouest. Il permet également aux conducteurs du territoire de travailler dans d'autres juridictions et de gagner leur vie en dehors du territoire. Monsieur le Président, lorsqu'il s'agit d'apporter un changement majeur au mode de fonctionnement d'une industrie, il est important de s'engager auprès de cette industrie. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a organisé 3 séances d'information à l'intention des parties prenantes de l'industrie de camionnage afin de discuter des incidences des décisions positives et de répondre à leurs préoccupations éventuelles. Ces sessions ont lieu au mois d'août, en novembre, avec la session qui a lieu au mois de mars 2023. Alors, le projet de loi a été ici publié pour le public du 13 mars au 13 avril sur le portail d'engagement portal Have Your Say du gouvernement du territoire nord-ouest. Les sessions des parties prenantes ont montré qu'il existe un soutien pour l'utilisation des dispositifs dans les territoires du nord-ouest et ont lancé une discussion sur les éléments uniques de l'industrie du camionnage commercial du territoire. Par conséquent, la réglementation sur les dispositifs d'enregistrement électronique prévoit des exceptions spécifiques pour les conducteurs des TNO. Si un conducteur travaille dans un rayon de 160 km de son terminal d'attache et retourne chaque jour à ce terminal d'attache, il n'est pas tenu de remplir un carnet de bord. Il n'a donc pas besoin d'avoir un dispositif d'enregistrement électronique. En revanche, les transporteurs ou les propriétaires doivent comptabiliser les heures de travail d'un conducteur
dans le rayon de 160 km. Si un conducteur quitte le rayon de 160 km à tout moment, il doit être équipé d'un dispositif d'enregistrement électronique. En outre, les véhicules commerciaux immatriculés dans les territoires du Nord-Ouest, dont le poids inférieur à 11 795 kg et qui circulent uniquement sur les territoires, sont également exemptés de ces dispositifs. Les conducteurs doivent néanmoins produire un carnet de bord sur demande. Toute exemption accordée par la loi fédérale est également incluse dans les réglementations territoriales. Les autres véhicules qui n'ont pas besoin de dispositif sont les suivants. Les bus scolaires, cependant, ils devront utiliser des registres papier lorsque le véhicule sort de sa zone de 160 km. Les véhicules d'urgence tels que la police, les ambulances et les camions de pompiers et les véhicules de service public pour les compagnies d'électricité et de télécommunications. Monsieur le Président, cette approche faite dans l'honneur de la mise en œuvre de l'utilisation obligatoire de ces dispositifs a permis à l'industrie du camionnage d'apporter sa précieuse contribution et de faciliter la transition pour ceux qui sont directement concernés par ce changement. La sécurité routière est une question qui concerne tous les habitants du Nord. En mettant en œuvre l'exigence du gouvernement du Canada concernant les dispositifs d'enregistrement électronique dans les véhicules commerciaux, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest contribue à améliorer la sécurité routière dans les TNO et dans l'ensemble du Canada. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Déclaration des députés. Député de Hay-River-Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors on sait que maintenant, on a une conjoncture de la dévastation qui a été créée par les incendies dans la Première Nation de Cloutier. Cela événement suit justement de l'inondation qui a eu lieu l'année dernière. Et maintenant, ces résidents ressentent toujours l'incidence financière, puis ils ont besoin de piger dans leurs épingles pour pouvoir faire face à tous ces dégâts. Alors, cette allocation de 750 $ offert par ce gouvernement, même qui est bien accueilli, ce n'est pas assez pour pouvoir aider les gens qui font face à le coût élevé de la vie. Et ça exclut plusieurs individus, les résidents et résidentes. Alors, justement, que l'Alberta a offert un paquet beaucoup plus intéressant et les Ténois s'attendaient beaucoup plus. Alors, la question de toujours les évacuations pour assurer que la sécurité des individus. Ils veulent savoir, justement, lorsqu'ils vont pouvoir rentrer chez eux, et à part de qu'est-ce qui a été offert à date, quoi d'autre est à la disposition des Ténois et Ténoises? Maintenant, on se pose des questions concernant le soutien financier. Alors, on peut avoir des accès, justement, à des programmes d'assurance, même si les allocations peuvent offrir le soutien nécessaire. Il y a plusieurs qui sont à l'extérieur de ce groupe qui n'ont pas le soutien nécessaire. Monsieur le Président, j'étais en train de recevoir plusieurs appels de différents résidents qui demandent le soutien nécessaire qui a été promis. Ce gouvernement doit informer ceux et celles à quel moment les paiements seront rendus. Alors, ça fait déjà une semaine que les gens rentrent chez eux, même si les résidents de Clatch, la première Nation Clatch, même si les demandes ont été envoyées, les paiements n'ont pas encore été reçus. Les résidents, ils ont besoin de soutien financier le plus tôt possible pour pouvoir mettre la nourriture sur la table, payer leur loyer et de pouvoir payer les dépenses de jour à jour. Monsieur le Président, nous avons aussi les communautés de Yellowknife, Entrepreneurs of Fort Providence, de Fort Smith, Fort Simpson et d'autres qui accueillent les évacués avec les bras ouverts pour leur offrir les services avant de même avoir reçu un engagement de la part du gouvernement. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Monsieur le Président, je suis ravie que ce gouvernement a fait un engagement financier pour ces communautés qui ont soutenu les évacués. Je m'entends d'une compensation pour chacune de ces communautés pour que ça soit une compensation équitable et opportune. Je demande le consentement unanime de terminer ma déclaration. Merci, député de Hay-River-Sud. Le député demande le consentement pour terminer sa déclaration. Il n'y a aucune objection. Vous pouvez maintenant terminer votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors notre chef d'agir rapidement pour offrir le soutien financier adéquat va vraiment aider les gens à prendre une décision plus éclairée. Parce que cela pourrait vraiment avoir une incidence sur la perte de vie humaine. Merci. Alors, merci beaucoup, Hay-River-Sud, la déclaration des députés de Hitabacha.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de le besoin d'avoir plus de services de détoxification de soins dans le territoire nord-ouest. C'est un enjeu que j'ai mentionné pendant la 19e Assemblée parce que c'est un enjeu qui touche tous les Ténois et Ténoises d'une certaine manière ou d'une autre. Monsieur le Président, je ne peux pas parler de sujet sans parler justement le centre de traitement pour les jeunes de Crossfire qui a fermé ses portes au mois d'octobre de l'année dernière. Tel que j'ai mentionné auparavant, ce bâtiment va être réutilisé pour que ce soit utilisé pour un autre établissement de bien-être. Alors, tout on convient tous qu'on a besoin d'avoir plus de services de soutien et de détoxification disponible. Alors, étant donné cela, pourquoi on ne prend pas en considération la disponibilité de ce bâtiment pour pouvoir faire du travail en matière de soins? Monsieur le Président, c'est dans le meilleur intérêt de tous et toutes pour que cet établissement demeure ouvert comme un temps d'établissement qui offre des services de soins de bien-être. En général, c'est un bon emplacement, puis il n'y a rien de mal avec ce bâtiment qui empêche les gens d'être utilisés. Je crois qu'au mois de mars, le ministère de la Santé avait dit que ce ministère a fait une évaluation préliminaire de Trail Cross qui avait déterminé qu'il y avait une durée de vie. J'attends plus de détails concernant cela. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, alors, je sais que la ministre et moi-même, on peut être d'accord sur le fait qu'il y a plus que tu as besoin d'offrir, de pouvoir intégrer les Ténois, d'offrir plus de services pour les Ténois. Je sais qu'il y a différentes options qu'on peut faire avec ce centre de rétablissement pour assurer que ça soit continue d'être utilisé par le gouvernement territorial dans l'Ouest au sein de Fort Smith. Je sais qu'il y a un grand potentiel pour pouvoir convertir ce bâtiment dans un établissement de soins. Alors, je crois que c'est une bonne idée pour tous à considérer cela parce qu'une fois encore, étant donné que la manière que cet établissement a été structuré, c'est dans un emplacement local pour que tout ce que les femmes et les hommes peuvent être traités dans les différentes ailes de ce bâtiment. Je vais avoir des questions pour la ministre de la Santé plus tard. Merci, monsieur le député de Tabacha. Déclaration du député, député de Delgacho. Alors, j'ai parlé pendant cette assemblée de l'importance des sols et des sports, des loisirs dans les vies des jeunes, surtout au sein des petites collectivités. Alors, aujourd'hui, j'aimerais continuer de parler de cet enjeu. Monsieur le Président, alors, selon un article de la part de CKRB News, il y avait 101 athlètes du territoire du Nord-Ouest qui ont assisté aux Jeux de l'Olympique du Canada dans l'île de Prince-Édouard au mois de février et mars. Ces athlètes sont connus et la première 70% vient de l'Yonef. Alors, il y avait. Est-ce que cette situation vous présente équitable? Il y avait aussi un article de Cabin Radio qui avait interviewé le directeur exécutif de l'organisation responsable pour la surveillance des athlètes. Lorsqu'on a demandé le nombre d'athlètes autochtones sur l'équipe, ils ont dit qu'ils ne font pas un suivi de leurs athlètes et leur ethnicité. Alors, ils ne savent pas le nombre d'athlètes qui ont participé à cela. Alors, dans un territoire qui est demi-autochtone, est-ce que vous croyez que c'est équitable, Monsieur le Président? Monsieur le Président, alors, je suis en train de souligner ces inégalités parce que vraiment, qu'il y a vraiment une disparité importante entre les athlètes des petites collectivités et les athlètes de Yellowknife. Alors, particulièrement pour les jeunes autochtones. Pour quelqu'un qui a participé dans les sports et dans les loisirs pendant un moment important, l'état du sport est très pauvre présentement, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais vous parler aussi, de Yellowknife va accueillir les Jeux d'Arctique. Et je pense que c'est une super bonne idée. J'aurais espéré que Yellowknife et les gouvernements du territoire du Nord-Ouest auraient accepté d'accueillir cet événement sportif. Ça fait déjà 4 fois que Yellowknife a accueilli cet événement, la dernière fois en 2008, alors c'est déjà démontré qu'il y a la capacité nécessaire pour accueillir ces événements. Alors, la dernière fois, c'était en 2018, et Hay River et Fort Smith ont accueilli avec beaucoup de succès. Quelles sont les hésitations de ne pas vouloir accueillir cet événement 2026? C'est un événement exceptionnel pour que les jeunes
Parce que cela, ça va lieu au sein des TNO, ça va être beaucoup plus facile pour les athlètes des petites collectivités d'y assister. Je pourrais continuer, Monsieur le Président, mais je vais arrêter sur ce. Je vais avoir des questions pour le ministre des Affaires municipales et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Daejeo. Déclaration des députés, députés de Tunu de Wilde. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour faire part de mes inquiétudes et ma déception concernant les gestes des agents de police dans une Première Nation. Le fait que cette injustice n'a pas été reconnue est très troublant et soulève des questions concernant la redevabilité de notre gouvernement. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est une source d'espoir pour les peuples autochtones à l'échelle mondiale et porte sur les droits des peuples autochtones à utiliser leurs terres. Il faut un consentement avant d'entreprendre des activités qui touchent les communautés autochtones. Malheureusement, cette descente policière remet les principes de cet accord international. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que c'est une tendance alarmante concernant le déni des droits des peuples autochtones dans les TNO. Il y a eu beaucoup de critiques chez nous et ailleurs. Donc c'est une autre violation des droits de nos frères et sœurs autochtones. Comme députés, nous sommes obligés de défendre les principes de la justice et de l'égalité. C'est notre responsabilité de faire en sorte que les gestes du gouvernement reflètent ces valeurs. Cette descente mine la confiance et les liens entre le gouvernement et les administrations autochtones. C'est encore plus difficile de nous tourner vers la réconciliation à la lumière de cette situation. Nous devons reconnaître la diversité des TNO, nos communautés autochtones ont des racines profondes et leurs cultures doivent être respectées, protégées et célébrées. C'est notre responsabilité d'écouter les peuples autochtones et de valoriser leurs contributions. J'implore le gouvernement de poser des gestes immédiats pour redresser ce tort. Nous devons tenir responsables ceux qui ont effectué cette descente illégale. Il faut des réparations ainsi que des gestes concrets pour empêcher ce genre de situation à l'avenir. Nous devons travailler ensemble et créer un mécanisme robuste qui accorde la priorité au consentement et qui permet aux communautés autochtones de façonner leurs propres avenirs. Je demande le consentement unanime pour terminer ma déclaration. Le député demande le consentement unanime pour terminer sa déclaration. Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui s'y oppose? Merci, Monsieur le Président. Merci, collègues. Donc, reconnaissons l'importance de la réconciliation, agissons avec intégrité en reconnaissant les erreurs du passé et en prenant l'engagement de faire preuve de respect et de justice. J'aurai des questions, Monsieur le Président, pour le ministre de l'Environnement plus tard. Merci. Merci aux députés de Tunu de Wilde. Déclaration des députés, députés de Great Slave. Merci. En mars, le gouvernement a déposé des mesures législatives pour mettre en œuvre la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. L'accord comprend des normes minimales pour protéger les peuples autochtones et pour contribuer à leur bien-être et à leur prospérité. C'est une déclaration universel qui s'appliquera au TNO. Monsieur le Président, rien n'est plus important. Cependant, je remets en question l'engagement du gouvernement de mettre en œuvre cette déclaration. Les gestes du gouvernement laissent entendre que ce n'est qu'un geste symbolique. Il y a tout un écart entre les propos et les gestes. Ce qu'a mentionné mon collègue de Tunu de Wilde
Et lorsqu'on finalisait le protocole d'entente sur la déclaration et lorsqu'on invitait les Premières Nations à y participer, le ministère de la Justice a remis en question le caractère contraignant de la mesure législative. La Première ministre a déposé une stratégie sur l'itinérance qui n'avait aucune mention de la déclaration ni des femmes et des filles assassinées et disparues. Le gouvernement, comment peut-il dire qu'il va mettre en œuvre la déclaration tout en effectuant des politiques qui rejettent les principes de la déclaration? Ce comportement mine la confiance, une confiance déjà fragile. Le gouvernement n'a eu qu'un soutien partiel vis-à-vis de sa démarche pour ce qui est de cette déclaration. Cinq administrations autochtones n'ont pas signé l'accord, y compris la Première Nation Décho, la société Nouvialet et la Première Nation Salt River. Même si la mesure législative sera adoptée, il faudra plus de temps pour la mise en œuvre. Le gouvernement aurait 2 ans de plus pour son plan de mise en œuvre sans aucun geste concret. Une véritable mise en œuvre ne peut plus être retardée. Ça veut dire respecter les droits, la dignité et l'autodétermination des peuples autochtones dès maintenant. Comme colon, je reconnais mes droits et le fait que je n'ai pas fait l'objet des injustices qui bafouent les droits des peuples autochtones. Je vais travailler comme allié et je vais continuer à demander à ce que le gouvernement mette en œuvre les principes de cette déclaration. Merci à la députée. Déclaration. Députée de Montfouilly. Le pont Frank Channel est une infrastructure essentielle. En octobre 2020, le remplacement du pont figurait au budget de 2021-2022. Et le pont était censé être terminé au plus tard le 31 mars 2024. En octobre 2021, le remplacement du pont figurait au À la liste de projets, c'était censé être terminé avant le mois de mars 2026. En octobre 2022, le remplacement du pont figurait à la liste des projets de 2023-2024 et c'était censé être terminé avant le 31 mars 2027. Autrement dit, cette infrastructure essentielle a été retardée dans l'ensemble des prévisions budgétaires. Donc, peut-on faire confiance aux prévisions du gouvernement? Le gouvernement a avoué que le projet a été retardé de 3 ans. J'espère qu'il n'y aura pas d'échec du pont en raison du retardement de ce processus. Le gouvernement des TNO a commencé à planifier le remplacement en 2018. Si la tendance de retard se poursuit, ça va vouloir dire une décennie entre la planification et la fin du projet. C'est trop long. En février de cette année, j'ai souligné le fait que ce projet doit être continué. Manifestement, je dois continuer à exercer une pression. En situation de projet retardé, l'inflation et les augmentations de coûts influencent le coût du projet. En mars 2023, le gouvernement fédéral a offert 15 millions de dollars de plus et le gouvernement des TNO 5 millions de dollars de plus pour financer le projet. Le fédéral vient au secours des TNO. Est-ce que le ministère accepte la responsabilité pour l'échec en matière de la gestion de ce projet? Heureusement, le gouvernement fédéral nous vient en aide. Monsieur le Président, je demande le consentement unanime pour terminer ma déclaration. Merci à la députée de Montfouilly. La députée demande le consentement unanime pour terminer sa déclaration. Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui s'y oppose? Vous pouvez terminer votre déclaration. Monsieur le Président, le moment est venu d'accélérer ce projet pour empêcher d'autres augmentations budgétaires et d'autres retards. J'aurais une question pour la ministre de l'Infrastructure.
Merci. Déclaration des députés. Député de Frame Lake. Avec ce conseil exécutif, les simples députés apprennent des événements par les médias plutôt que des ministres. La ministre de l'Infrastructure a été invitée à une réunion de l'ambassade américaine et nous n'avons rien reçu comme information sur cette rencontre. Il y a très peu d'informations sur l'objectif de cette rencontre. Il y a eu quelques discussions sur le projet Grays Bay et la route qui était censée être construite. Le gouvernement ignore les demandes pour des études régionales. Donc, la ministre de l'Infrastructure, pourquoi est-elle allée à Ottawa? Est-ce qu'elle peut nous donner des informations sur cette rencontre et pourquoi est-ce que cette rencontre a été organisée par les Américains? Merci au député. Député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Le comité a organisé des consultations sur notre mesure législative portant sur la déclaration de l'ONU. Nous avons eu beaucoup de rétroactions. Et il me semble que le gouvernement fait des gestes symboliques et ne s'intéresse pas à des gestes concrets. Dans la déclaration, on dit que le gouvernement rejette toute forme de colonialisme. C'est un bon objectif. Et on nous dit que le gouvernement des TNO est un gouvernement colonial et les terres d'aînés n'appartiendront jamais au gouvernement des TNO. Le gouvernement n'appuie pas ces points de vue et certaines personnes disent que ce sont des gestes de colonialisme. Notre politique de négociation autochtone précise que l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir de la terre. On en demande la moitié en négociant des accords. Et on demande à ce que la responsabilité ministérielle s'y applique. Et ce sont des gestes de colonialisme contemporain. Il faut un débat honnête sur ces enjeux. Dans la déclaration onusienne, le gouvernement dit que les droits des peuples autochtones peuvent évoluer, mais le gouvernement n'étudie plus les revendications territoriales. Peut-être le gouvernement a changé d'avis, mais si nous voulons mettre en œuvre la déclaration de l'ONU, nous devons pouvoir répondre aux questions de nos concitoyens sur cet enjeu. Mais nous n'avons pas de réponse. Hier, en chambre, la première ministre a parlé de plusieurs accords. On a pris l'engagement d'en terminer deux, mais j'ai entendu le mot « ébauche ». Donc, on essaie d'utiliser une définition de terminer tout à fait inappropriée. Ces documents ne sont pas publics. On ne sait pas si des progrès ont été réalisés. Nous avons des accords en principe qui remontent à il y a deux décennies. Donc ces accords ne sont pas finalisés. Et il me semble que nous n'allons pas honorer nos engagements et nous ne nous comportons pas de façon honnête. Donc ça veut dire plus de promesses creuses. J'aurais des questions pour la Première ministre. Merci aux députés de Yellowknife Nord. Déclaration des députés, députés de Kamloops. Monsieur le Président, pour n'importe quel parent, le travail difficile, Snapchat, la toxicomanie, les mathématiques, le coût de la vie. Et durant tout ce chaos, c'est difficile de se détendre. Donc, les parents aujourd'hui ont de la difficulté à trouver un accès aux services de garde et doivent sacrifier leurs objectifs professionnels. Le coût des services de garde empêche les parents de retourner à leurs emplois. Le Canada fait évoluer le secteur qui devient similaire au secteur de l'éducation.
Et ça pourrait être quelque chose de positif, mais dépend de l'aval des employés du secteur des services de garde. Il y a des coûts d'exploitation tout à fait imprévus et un plafond de financement. On ne peut pas avoir de pérennité sans certitude. Et les salaires inadéquats nous empêchent à recruter des travailleurs. On essaie de créer une fourchette salariale, mais les acteurs du milieu nous disent qu'il faut un salaire horaire de 30 dollars de l'heure. Les exploitants indépendants perdent leur autonomie sans avoir aucun régime de retraite. Donc cela veut dire qu'il y a de moins en moins d'employés compétents qui commencent à travailler aux écoles comme adjoints. L'accessibilité en est un élément important. Nous avons besoin d'infrastructures et de terrains. D'autres secteurs de l'économie utilisent des programmes hypothécaires novateurs. C'est une option pour dynamiser le secteur qui nous permettra de réduire les coûts pour les exploitants qui veulent acheter un terrain afin d'ouvrir une garderie. Les acteurs du milieu nous disent que la pénurie de travailleurs et le manque de terrain signifient un problème qui durera longtemps. Nous avons besoin de solutions pour nous attaquer à ce problème. Nous devons accorder la priorité à la pérennité du secteur des services de garde des TNO. Merci à la députée de Cam Lake, députée de Nahendé. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'une activité qui a eu lieu entre le 17 et le 20 avril 2023. Le Parlement des jeunes permet à nos jeunes personnes de venir à Yellowknife pour assumer le rôle de député élu pour participer aux travaux quotidiens du gouvernement de consensus. La chose impressionnante, c'est que les élèves de la 9e, de la 10e année de partout dans les territoires peuvent y participer. La jeune fille qui représente la circonscription de Nahendé, Deja Horsey de Fort Simpson, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, ou plutôt je l'ai rencontrée lorsqu'elle était bébé. J'avais joué au hockey avec son père. Donc on avait très peu de temps. Nous avons donc dû reporter notre rendez-vous au mardi à midi. Alors qu'elle entrait dans mon bureau, je lui ai demandé de prendre ma chaise derrière le bureau pour profiter pleinement de l'expérience. Pour commencer, elle était un peu timide, mais pendant que nous parlions, elle avait de très bonnes questions. Par exemple, quelles ont été les choses les plus difficiles à faire en tant que députée? Est-ce que j'ai des difficultés à être ministre et députée en même temps? Comment parlez-vous en public? Est-ce que vous êtes nerveux? Nous avons discuté des réunions matinales, des motions qui seraient déposées en chambre jeudi. Je lui ai donné quelques conseils pour rédiger sa déclaration de député et la façon de la présenter en chambre. Donc, lorsque j'étais avec la ministre Savage, j'ai eu l'occasion de la voir prononcer sa déclaration et elle a fait un travail incroyable. À ce que la déclaration soit réputée comme avoir été lue. Une autre chose que j'ai bien aimée, c'était les jeunes qui échangeaient des notes. Les pages étaient très occupées pendant toute la session. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je vous remercie ainsi que le personnel de l'Assemblée législative qui ont fourni cette possibilité à nos jeunes. Merci aux députés de Nahendé. Présentation des visiteurs dans la tribune. Député de Tunedewulde. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître la présence d'Iris Cathy. C'est la gestionnaire d'une entreprise à Detschke. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Merci, un député de Tunedewulde, présentation des visiteurs dans la tribune. Madame la Première ministre, merci. Je voudrais saluer la présence du page de Range Lake, de la page plutôt, Kelly Elsetier. Désolé si j'ai mal prononcé son nom et bienvenue à tous les pages.
Merci à la députée de Range Lake. Présentation des visiteurs dans la tribune. Députée de Newington-Boot Lake. Merci. Je voudrais reconnaître la présence de mon neveu, Brody Alexis Benoit, qui est page, ainsi que mon frère Desmond, qui s'assoit dans la tribune. C'est toujours excellent d'avoir des membres de la famille. Présentation des visiteurs dans la tribune. Député de Nahende. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître deux pages de ma circonscription. Addison Rasmus, fille d'Alison Skinner et James Erasmus. Clay Tetso, fils de Dottie et Joseph Tetso, ainsi que Keen Lafferty, qui les accompagne, ainsi que sa fille Kaylee. Donc, je les remercie. Je remercie aussi notre interprète, Mary Jane Kayson, et je la remercie de son travail. Merci au député de Nahende. Présentation des visiteurs dans la tribune. Rapport des comités sur l'examen des projets de loi. Député de Cam Lake. Merci, Monsieur le Président. Le comité fait rapport du projet de loi 72, la loi sur le recouvrement des dommages d'intérêts et du coût des soins de santé liés aux opioïdes. Le projet de loi a eu la deuxième lecture le 7 mars 2023 et a été renvoyé au comité des affaires sociales. Le comité a eu des audiences publiques le 19 mai 2023 et terminé son étude article par article du projet de loi avec le ministre de la Justice le 29 mai 2023. Le projet de loi 72... sur le recouvrement des dommages d'intérêt du coût des soins de santé liés aux opioïdes est prêt pour l'examen en comité plénier. Merci à la députée de Cam Lake. Rapport de comité à la suite de l'étude de projet de loi. Rapport de comité permanent et spéciaux, député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Le comité sur les règles et les procédures dépose son rapport sur l'examen du règlement de l'Assemblée législative des TNO. Le comité des procédures et des règlements fait rapport de son examen sur le règlement de l'Assemblée législative. Le règlement actuel de l'Assemblée législative a été adopté le 7 décembre 2021. À cette époque, les règles ont été révisées et organisées en chapitres permettant des modifications sans devoir les remplacer. Si adoptées, les recommandations du rapport seront les premiers changements en vertu de cette nouvelle structure. En 2022, Frederick Blake, président, a envoyé des lettres sur le règlement. En janvier 2022, le président a demandé au comité de se pencher sur plusieurs questions, y compris la participation des simples députés au comité, la composition du comité permanent sur la surveillance des divergences d'avis vis-à-vis des rapports des comités, les soins de garde en chambre, les pétitions et les rapports du comité sur l'étude des projets de loi. En septembre 2022, le président Frederick Blake a écrit une lettre au comité par rapport aux changements au dépôt des rapports des hauts fonctionnaires. Le comité a étudié des changements suggérés par les députés de l'Assemblée et par le bureau du greffier. La loi sur la normalisation des greffiers de l'Assemblée législative a eu la sanction royale. En vertu de cette loi, tous les rapports des hauts fonctionnaires doivent être remettre au président le 1er juillet. En vertu des règles actuelles, ces rapports ne sont pas rendus publics avant le dépôt en chambre. Ça veut dire que les rapports sont déposés en octobre, 3 mois après la réception. Lors d'une réunion en 2022, un député a demandé à ce que ces rapports soient déposés en mai et en juin. Selon le député, ce dépôt facilite un examen plus rapide de la part des comités. Et
Le comité a pris la décision de suggérer à ce que ces rapports soient disponibles plus tôt. Je vais passer la parole au député de Frame Lake. Merci, un député de Hay River Sud, député de Frame Lake. Donc, les rapports des hauts fonctionnaires, nous reconnaissons l'importance de ces rapports pour les comités et pour le public. Donc, c'est un élément essentiel de la transparence et de la redevabilité. Le comité s'est penché sur les quatre options identifiées par le président. Selon les membres du comité, le statu quo n'est plus acceptable. Donc, de demander aux titulaires d'une charge publique de déposer les rapports en mai, en juin, constitue un fardeau supplémentaire. Selon le comité, ce n'est pas nécessaire de modifier la loi, c'est possible de modifier les règlements de l'Assemblée. Donc, notre première recommandation recommande à ce que les choses suivantes soient ajoutées aux règles 4.5, 4.6, le rapport annuel du titulaire d'une charge publique sera rendu public et communiqué aux députés. Lorsque la Chambre ne siège pas, le rapport sera déposé en Chambre le plus tôt possible. D'autres changements aux règles, la composition des membres des comités. Les comités sont formés pour faire des travaux importants au nom de l'Assemblée. À part ce comité qui comprend des membres du Conseil exécutif, les comités permanents ne comprennent que les simples députés. Le régie a des représentants des ministres et des simples députés. Donc, le comité permanent recommande à ce que la chose suivante soit ajoutée à la règle 9, à ce que chacun des députés simples siège à au moins deux comités, à part le comité de la surveillance. Cela comprend les comités permanents et le bureau de régie. Donc, enlever un député du comité sur la surveillance, la participation des simples députés est facilitée par le biais d'une motion. Le comité permanent de la surveillance en est une exemption. Règle 9.2, parenthèse 2, prévoit à ce qu'à l'Assemblée législative nomme les membres de ce comité et tous les députés reconnaissent que la composition de ce comité est une décision de la Chambre et donc ça ne serait pas approprié pour ce comité d'avoir le droit d'enlever un certain député de la composition. Cependant, les membres du comité ont suggéré des mesures disciplinaires pour des députés qui perturbent les travaux du comité. On recommande à ce que les règles soient modifiées pour que le comité puisse suspendre la participation d'un député dans certaines circonstances. Et cela s'applique à l'heure actuelle au bureau de régie. Et donc il faut signaler toute suspension à la Chambre au moment du dépôt des rapports spéciaux. Donc, si la suspension ne règle pas le problème, une motion pourrait être déposée pour empêcher la participation du député au comité. Et il faudrait une motion pour lui permettre de redevenir membre du comité. On recommande le changement suivant. Si un membre du comité permanent sur la surveillance se comporte d'une façon qui nécessite des mesures disciplinaires, mais qui ne s'y limite pas aux violations de la loi sur le conseil exécutif et ses règlements portant sur la conduite des membres du comité B, divulguer les informations confidentielles du comité sans l'approbation du comité, assister à la réunion en état d'ébriété, et d'être absent
à répétition sans aucune excuse. Le comité peut par vote majoritaire suspendre le membre pour une période de 3 réunions. Si un membre a été suspendu pendant un certain temps, le président va faire rapport de la suspension à la Chambre au moment du dépôt des rapports des comités permanents. Le comité peut demander à ce qu'un membre soit suspendu du comité à n'importe quel moment. Oui, le député de Nehende. Bonjour. Merci, monsieur le président. Donc, le rapport concernant au cours des 18e et 19e assemblées, certains rapports de commission ont exclu des options, opinions dissidentes. Les règles ne traitent pas des opinions dissidentes de la manière dont elles peuvent ou doivent être incorporées dans les rapports de comité. Le comité recommande recommandation numéro 4. Le comité permanent des règles et procédures recommande que le suivi soit ajouté après la règle 9.4, article 1, 1.1. Un ou plusieurs membres du comité peuvent indiquer qu'ils ne sont pas d'accord avec une recommandation ou un commentaire particulier. 1.2. Un député ou des députés qui souhaitent exprimer les motifs de leur dissidence peuvent le faire dans une annexe au rapport. 1.3. Le président d'un comité fixe un délai raisonnable pour que toute opinion dissidente soit communiquée aux membres du comité avant la présentation du rapport dans la Chambre. Examen en comité d'un projet de loi peut prêt à aller de l'avant. Le règlement stipule que les projets de loi signalés par un comité doivent être reçus par l'Assemblée et renvoyés en comité plénier. Et cela s'applique même lorsqu'un comité signale qu'un projet de loi ne devrait pas aller de l'avant. Par conséquent, lorsqu'un comité recommande qu'un projet de loi ne soit pas adopté, il n'y a aucune importance procédurale. Si un comité permanent signale à la Chambre qu'un projet de loi ne devrait pas aller de l'avant, ce comité estime que le parrain du projet de loi devrait être tenu de proposer une motion pour examiner le projet de loi en comité plénier. Le comité estime que cela établit un équilibre entre les points de vue d'un comité permanent et les désirs du parrain du projet de faire progresser la législation. Recommandation 5, le comité permanent des règles et procédures recommande d'ajouter ce qui suit après la règle 8.3, paragraphe 8.9. Un projet de loi signalé par un comité permanent ou comité spécial qui ne devrait pas aller de l'avant nécessite l'adoption d'une motion par la Chambre en comité plénier. Donc, les rapports des comités, les règles existantes, contiennent une erreur typographique dans la règle 9.4, paragraphe 4, le comité recommande. Recommandation 6, le comité permanent des règles et procédures recommande que l'article 9.4, alinéa 4, soit modifié en ajoutant le mot « not » après les mots « shall » en anglais. Pétition. Les pétitions sont un moyen pour le public de communiquer directement avec les élus. La règle 4.4, alinéa 8, exige que les signatures apposées sur une pétition soient manuscrites ou des signatures électroniques obtenues sur le site des pétitions électroniques de l'Assemblée législative. Cependant, l'option de pétition électronique a été supprimée du site web de l'Assemblée lorsque le fournisseur précédent a cessé ses activités. Notre territoire est vaste et nos communautés sont étendues. Organiser des pétitions dans plusieurs communautés peuvent s'avérer difficiles. Cependant, cette difficulté peut être atténuée par l'utilisation des pétitions électroniques. Telle qu'elle est rédigée, notre règlement empêche l'utilisation des pétitions électroniques provenant des sites web autres que la plateforme de l'Assemblée qui n'est plus disponible. Avant de s'assurer que les pétitions électroniques demeurent un moyen significatif pour les résidents de communiquer avec cette Assemblée, le comité recommande la recommandation numéro 7, le comité permanent des règles et des procédures recommande que la règle 4.4, alinéa 8, soit modifiée comme suit. Supprimer les mots « le site des pétitions électroniques de l'Assemblée législative » et les remplacer par les mots « un site de pétition électronique approuvé par le président de la Chambre ». Perte de quorum. Si le quorum est perdu au cours d'une séance, le règlement oblige le président à ajourner l'Assemblée lors de la séance suivante. Les règles ne précisent pas si toute
Les affaires restantes sont reportées au lendemain. Le comité fait la recommandation suivante. La recommandation numéro 8, le comité permanent des règles et procédures recommande que l'article 2.3, alinéa 4, soit modifié en ajoutant « Toutes les affaires restantes seront reportées au jour de séance suivant à la fin de l'article actuel. » Monsieur le Président, je souhaite céder la parole au député de Hay River Sud. Merci, le député de Hay River Sud. Anticipation. La règle d'anticipation empêche la discussion sur les sujets qui sont prévus pour une autre fois à l'ordre du jour. Bien que cela ne soit pas indiqué précisément dans les règles, elle a toujours été respectée par cette Assemblée et ses membres. Par exemple, la règle d'anticipation empêcherait un député ou un ministre de faire une déclaration directement liée à une motion inscrite à l'ordre du jour. L'application de la règle d'anticipation évite qu'un point à l'ordre du jour soit devancé par un débat imprévu, contribue à l'utilisation efficace du temps de l'Assemblée et évite les répétitions. Le comité recommande alors la recommandation numéro 9. Le comité sur les procédures et les règles recommande que la règle 5.6, alinéa 2, soit modifiée par l'ajout de ce qui suit après la règle 5.6.2c. Je cite, ne doit faire référence à aucune question inscrite à l'ordre du jour pour cette date. Donc, afin de rendre les assemblées plus favorables à la famille, certaines législatures au Canada permettent à un parent d'amener un enfant dans la chambre. Le comité est d'avis que l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest devrait pouvoir poursuivre ses efforts pour rendre cette institution plus accueillante. Donc, le comité permanent recommande qu'on modifie la règle 1.9.4 en ajoutant les mots « Un étranger ne comprend pas un enfant à charge d'un député ». Cela conclut le rapport du comité sur sa révision des règles et des procédures de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Merci, député de Hay River Sud. Le député de Hay River Sud, Monsieur le Président, je propose, appuyé par le député, que règlement soit appuyé et soit reçu par la Chambre pour cours des considérations. Merci. Monsieur le député de Hay River Sud, on vient de proposer une motion. Tous sont en faveur, tous contre, abstention. La proposition est adoptée. Le rapport sera considéré par le comité plus tard aujourd'hui. Merci. Donc, rapport des comités permanents et spéciaux. Rapport des comités permanents et spéciaux. Donc, réponse aux questions orales. Réponse aux questions orales. Remerciements. Remerciements. Question orale. Question orale. Le député de Hay River South. Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les personnes évacuées voient ce que les personnes évacuées en Alberta reçoivent 1 500 $ par adulte et 1 030 par enfant, pas basé sur les revenus. Monsieur le Président, je demande au ministre des Finances quelle était la logique d'établir un paiement de 730 $ par personne et pourquoi ce paiement est-il basé sur la perturbation aux revenus et non sur les véritables coûts encourus parce que cela exclut de nombreux évacués. Merci. Merci, le ministre responsable des Finances. Monsieur le Président, il y a beaucoup plusieurs questions et je pense que je les aborderai tous. Tout d'abord, nous ne sommes pas à l'Alberta. Ils traitent moins de 1 % de leur population. Nous, on composait avec 10 % de la population qui a été évacuée dans les territoires du Nord-Ouest. Et Monsieur le Président, je sais que les gens observent l'Alberta, même les gens en Colombie-Britannique regardent l'Alberta et les gens en Saskatchewan aussi. Et même les gens de la Nouvelle-Écosse nous regardent peut-être parce que ma dernière observation, ils offraient seulement 500. Nous n'avons pas cette capacité financière. Nous sommes en période de déficit comme l'année dernière.
Ce que nous essayons de faire, nous essayons de prendre charge de nos capacités financières et de combler les lacunes. Donc, Monsieur le Président, en examinant les coûts, notre première priorité, c'est de minimiser ces coûts. C'est parce qu'on a fourni des services de transport, de nourriture, de logement, des produits de toilettes. Les gens ne veulent pas rester dans les refuges, dans les abris, mais on était à la disposition des gens. Et Monsieur le Président, Centraide a contribué 150 000 $ pour encourager les dons et nous avons prélevé beaucoup de dons et eux aussi, ils essaient de combler les lacunes et essaient de remédier aux besoins des résidents et sachant qu'il y a différents coûts qui sont comblés par ces différentes sources, Monsieur le Président, nous nous concentrons sur les gens qui ont des perturbations dans leurs revenus. Nous assurons que les fonctionnaires du territoire du Nord-Ouest continuent à toucher leurs revenus. C'est vraiment le groupe qu'on essaie de cibler. Nous avons sélectionné 750 encore une fois. Monsieur le Président, nous sommes essayons d'être justes. Il y avait des allocations sur le revenu. Et donc, le chiffre de 750 est, selon nous, un chiffre juste. Nous essayons d'être justes pour tout le monde. Merci. Question orale. Le député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut expliquer aux évacués quels étaient les critères pour accéder au programme? Et y a-t-il un certain degré de souplesse? Parce qu'il n'y a pas toutes les personnes qui ont été évacuées, mais qui ont fait l'expérience d'une perte de revenus. La ministre responsable des Finances. Monsieur le Président, très brièvement, tout d'abord, tous ces renseignements sont disponibles sur le web. Si vous voulez les consulter, vous avez la capacité. Tous les gens âgés de plus de 17 ans qui sont assujettis aux ordres d'évacuation pour 10 jours ou plus et qui ont fait une perte de revenus, ils peuvent demander. Nous encourageons les gens d'évacuer. Ce n'est pas obligatoire. Si l'ordre d'évacuation est là, c'est parce que c'est nécessaire, mais on ne voulait pas écarter le fait qu'il y a des pompiers, des travailleurs d'urgence qui ne peuvent pas évacuer, les gens qui doivent travailler dans les hôpitaux. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit être évacué, mais je veux souligner le fait qu'il n'est pas obligatoire d'être évacué. Merci. Question orale, le député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre peut confirmer si des paiements ont été distribués jusqu'ici? Comment est-ce que les paiements ont été envoyés par Post Canada, par virement direct, par EMT? Il y a beaucoup d'évacués qui sont dans le besoin et qui ont besoin de fonds maintenant. Et quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à recevoir ces paiements? Merci, député de Hay River South, ministre responsable des Finances. Monsieur le Président, une grande partie de notre travail dans ce programme, c'était de faire en sorte que ce soit facile de présenter une demande et de toucher aux allocations. Donc, lorsqu'on remplit les formulaires en ligne, les formulaires peuvent être remplis en ligne et on demande une preuve de perte de revenus, mais on ne demande pas aux gens de trouver des documents auxquels ils n'ont pas accès, surtout s'ils sont évacués. Donc, il y a des preuves de perte de revenus, mais on ne demande pas beaucoup de paperasse. Et s'ils peuvent remplir le formulaire, ils peuvent nous envoyer ça par courriel. On peut l'acheminer aux fonctionnaires nécessaires et les fonds sont envoyés par virement direct ou par chèque. Donc, ça dépend de la personne et de ses circonstances. Je ne sais pas si on nous a demandé combien de demandes on a reçues. On envoie des demandes qui sont présentées. On a essayé de prioriser l'approbation de ces demandes dans la plus vite possible. Question supplémentaire, le député de Hay River South. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que c'est important que les évacués reçoivent cet argent dès que possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de joindre les deux bouts et qui sont à court d'argent. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Mais, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut confirmer que ce programme va être utilisé pour d'autres évacuations à l'avenir? Et est-ce qu'on va pouvoir distinguer des communautés éloignées et des communautés non éloignées?
Merci, la députée responsable, la ministre responsable des Finances. Merci, Monsieur le Président. Ce programme est la politique du gouvernement et la conversation a été amorcée parce que nous sommes au courant que ces communautés font l'objet d'évacuations pendant des années d'affilée et c'est des allocutions qui vont être disponibles. Et en ce qui concerne les communautés éloignées versus les communautés non éloignées, le processus de gestion des mesures d'urgence s'applique à n'importe quel résident qui fait l'objet d'ordre d'évacuation. Tout comme il y a des autobus à Hay River, nous allons travailler avec des communautés qui sont sous l'ordre de l'évacuation, qu'ils aient la capacité d'avoir un transport à leur disposition. Merci. Question orale, le député de Toonedé-Walladé. Monsieur le Président, malgré la Cour suprême qui a jugé la perquisition illégale en Timberway, le gouvernement n'a pas pris les démarches pour présenter ses excuses aux membres de la Première Nation. Quand est-ce que la révision interne des agents du gouvernement sera-t-il terminée et quand est-ce que le rapport va être rendu public? C'est le ministre pour l'énergie et les ressources naturelles. Merci, le député de Toonedé-Walladé, la ministre responsable de l'environnement et du changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais remercier le député pour ses questions et pour sa diligence de travailler avec moi. J'ai eu l'occasion de parler au chef Morrill dans une réunion face à face, donc je tiens à le remercier pour son travail de député de Toonedé-Walladé. En ce qui concerne les questions soulevées dans les médias concernant la conduite des agents, notre ministère a entamé une révision, un examen de la conduite de ces agents et une fois le travail terminé, le travail sera entamé et nous allons procéder à un examen de la conduite de ces agents. Merci. Question orale, le député de Toonedé-Walladé. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une question en deux parties. Quand est-ce que cet examen sera terminé et est-ce que le ministre va s'engager à une rencontre avec le chef et le conseil des aînés de Tutsikay pour parler d'une meilleure relation collaborative avec la Première Nation? Oui, oui, merci, député de Toonedé-Walladé, le ministre responsable de l'Environnement et du Changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Quand le rapport est sorti, le rapport sera terminé lorsqu'il sera terminé, mais j'ai parler à la direction pendant à plusieurs reprises sur Thunder Bay et pour discuter des efforts de réconciliation une fois cette enquête terminée. Mais ECC demeure engagé envers ce partenariat. Comme j'ai mentionné avant, il faut examiner les communautés, des démarches pour encourager la réconciliation une fois l'enquête terminée. Et cela est l'objet de litiges, donc je ne suis pas en mesure de donner des commentaires et je ne peux pas commenter sur les questions juridiques. Merci, le député de Toonedé-Walladé. Merci, Monsieur le Président. Le ministre ici pourrait-il présenter ses excuses pour les actions illégales de ses agents dans la perquisition de Thunder Bay? Nous attendons des excuses du ministre à la suite de l'abandon de ce rapport, en attendant l'apparition de ce rapport. Est-ce qu'il va se présenter ses excuses à nos membres de notre communauté? Oui, le ministre responsable du changement climatique. Je reconnais que la perquisition des gens, la perquisition du camp n'était pas fait de la meilleure façon pour les gens qui ne pratiquaient pas la chasse. Nos agents pensaient qu'ils effectuaient une perquisition légale en fonction du mandat qu'ils avaient reçu parce que cela fait l'objet d'examen avant les tribunaux. Je ne peux pas donner de commentaires. Merci, Monsieur le Président. Le juge a déjà
pris sa décision et ce cas ne fera pas l'objet d'un examen judiciaire parce que c'était un cas illégal. Et nous, nous revendiquons de la justice pour cette perquisition. Est-ce que le ministre va présenter ses excuses ici pour la perquisition illégale et la conduite illégale de ses agents? Merci, le ministre responsable de l'Environnement et des changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai dit avant, je reconnais que la perquisition à Timber Bay était très difficile pour certaines personnes dans le camp qui ne faisaient pas, qui ne récoltaient pas les ressources naturelles de la bonne manière. Mais puisque l'enquête est toujours en cours, je ne peux pas me prononcer sur les détails. Merci. Question orale. Oui, le député de Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. Comme le comité penche sur la législation des Nations Unies, il y a certaines demandes qui sont faites auprès du gouvernement et je pense que c'est dans les intérêts de tout le monde que le gouvernement des territoires du Nord fait preuve de transparence. Les personnes autochtones ne sont pas figées dans le temps, ils ne sont pas capables d'évoluer et la formulation C10 n'est pas appropriée et doit être retirée de l'entente. Est-ce que c'est le gouvernement qui souhaite retenir cette formulation dans cette entente des Nations Unies? Non. Merci, la députée. Le gouvernement a fait preuve de transparence sur comment nous ressentons vis-à-vis de cette question. Les parties intéressées, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, Monsieur le Président, pas tous les accords ont la formulation de cesser de se rendre. Je sais que j'ai des perturbations des deux côtés. Des fois, des gouvernements des Premières Nations nous disent qu'on prend trop de temps. On veut avoir une entente plus générale, plus large, et on peut le modifier à l'avenir. J'ai inspecté plusieurs accords et j'ai vraiment fait preuve de souci du détail. Monsieur le Président, je veux adopter une langue aussi simple, langage aussi simple que possible pour éviter tous les malentendus. Donc, oui, Monsieur le Président, je sais que cette clause, le cesser et se rendre n'est pas approprié de nos jours, mais je crois fermement, Monsieur le Président, que les accords doivent être rédigés dans un langage aussi simple que possible, que pour toutes les parties, pas seulement les avocats, puissent les comprendre. Merci, Madame la Première ministre. Oui, question orale, le député de Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de l'entendre et je sais qu'il y a manque de confiance et il y a le gouvernement qui essayer d'insérer ces clauses et ce sera une victoire symbolique de nous en débarrasser pour que nous puissions aller de l'avant et pour que le consentement continue à exister. Peut-être que la solution n'est pas une solution partie sur le consentement. Il y a des choses que le gouvernement doit faire. Le gouvernement et la ministre peut faire et on attend une résolution, une réconciliation sur ces questions. Merci, le député de Yellowknife North, Madame la Première ministre. Oui, Monsieur le Président, comme je dis plus tôt, tous les accords sont différents en termes de terminologie. Il y a certains accords qui ont des clauses qui font en sorte qu'ils peuvent faire l'objet de réexamen. Un accord, n'importe quel accord doit être examiné. Ce n'est pas une chose qu'on fait. On commet une erreur, qu'on est pris avec cette erreur. Mais ceci étant dit, Monsieur le Président, je suis consciente du nombre d'accords qu'on veut faire passer, qu'on veut faire signer. Donc, par conséquent, Monsieur le Président, je me concentre sur l'adoption de l'accord non signé, mais je vais quand même faire preuve de flexibilité et travailler avec les gouvernements autochtones sur d'autres accords. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre. Question orale, le député de Yellowknife Nord. Merci. Hier, dans cette chambre, la Première ministre a
fait allusion à certaines ébauches d'accords au fin de consultation. Je me demande quand ces rapports seront mis à la disposition du public pour consultation. Ça fait 20 ans, je crois, qu'on puisse voir si la position du gouvernement en termes de négociations a changé. Il n'y a pas beaucoup de preuves à notre disposition, donc je me suis intéressé de voir qu'est-ce qui a changé au cours des deux dernières décennies. Est-ce que ces rapports vont être mis à la disposition du public? Merci, M. le Président. Merci, le député de Yellowknife North, Madame la Première ministre. Je crois que dans notre mandat, en termes de gouvernement, nous avons fait beaucoup en termes de revendications territoriales et d'autodétermination. Des fois, on ne peut pas en parler, mais le montant de travail que ce gouvernement a fait dans les deux dernières années après la COVID en termes des accords a été phénoménal. Comme je dis, Monsieur le Président, nous avons trois ébauches d'accords. Ce ne sont pas des ébauches tout simplement parce qu'ils sont en voie de proposition. On les appelle des ébauches parce qu'il faut consulter avec tous les autres gouvernements autochtones pour s'assurer qu'ils n'ont pas de préoccupations, qu'on n'empiète pas sur leurs droits. Et une fois que ce processus de consultation est terminé, ce qui prend en général de 4 à 8 mois, nous avons une entente finalisée. Mais dans cette période, quand un gouvernement autochtone dit « Wow, je ne suis pas d'accord avec ça », il faut changer les termes de l'entente. C'est la raison pour laquelle on les appelle des ébauches. Donc, le premier de ces accords, je veux vraiment qu'on puisse signer. Donc, je dis ça comme ça, M. le Président. Et si ce n'est pas terminé dans le mandat de ce gouvernement, je dirais que plutôt dans le gouvernement prochain, ce premier rapport sera terminé. Et une fois que le rapport est publié, ce sera à disposition du public. Merci, le député de Yellowknife North. Merci. Malheureusement, beaucoup de travail ne compte pas jusqu'à ce que l'encre soit sèche et que l'accord soit terminé. On fait beaucoup de travail depuis 20 ans et je ne veux pas nier le travail de qui que ce soit, mais si c'est le chemin sur lequel nous avons trois ébauches d'entente. Je me demande si la Première ministre a des idées sur comment accélérer le processus. Est-ce que ça va juste être la réalité? Dans chaque assemblée, on aura un accord, une entente. Et si c'est le rythme auquel on progresse, on va voir la réédition de ces accords dans 100 ans. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, comme j'ai dit, nous sommes dans les étapes finales, dans les stades finaux. Dans la période de consultation, j'ai envoyé des lettres au gouvernement autochtone. Voici les accords. Mais si le député, moi, je ne suis pas tenu à pousser les gouvernements autochtones. Si le député souhaite le faire, qu'ils envoient une lettre. Et j'ai énoncer cela fermement, si nous respectons les gouvernements autochtones, ça ne peut pas être selon l'horaire de cette Assemblée. Ça doit être fait de la bonne manière, ça doit être fait au rythme des gouvernements autochtones et ça veut dire que les gouvernements autochtones doivent être prêts pour signer. Moi, je suis prêt aujourd'hui pour signer, mais je respecte la décision des gouvernements autochtones et je respecte le temps qu'ils vont prendre. Merci, Monsieur le Président. Question orale? Question orale? Le député de Monty. Merci, M. le Président. En donnant suite à mon déclaration des députés, on dirait que le pont dans ma circonscription n'est pas une priorité. Est-ce que le gouvernement va nous donner son engagement et ne pas accorder plus de retard sur le pont de Degné? Est-ce que le pont sera construit dans le mandat de ce gouvernement? La ministre responsable de l'infrastructure, merci. Oui, le pont d'Oké est une priorité pour ce gouvernement et c'est une priorité parce que j'ai demandé plus d'argent à Ottawa pour la complétion de ce pont.
Et si cela ne fait preuve, nous travaillons avec nos partenariats de Picto. Monsieur le Président, ça prend 3 ans jusqu'à la conclusion de l'entente conception-construction pour obtenir les permis, les travaux de construction. Et ensuite, ce pont sera ouvert à la circulation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait s'engager à offrir une mise à jour concernant les détails d'action, de séquence et des délais de projet pour s'assurer que le gouvernement fait preuve de diligence et que le progrès nécessaire est en train d'être atteint? Alors, de ne pas de répondre à les projections antécédentes, rendre celui-ci suspicieux. Alors, le ministre de l'Infrastructure doit démontrer qu'il est en train de faire tout dans le possible pour assurer que ce projet soit mené à bien. Merci, le ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors non, on peut absolument travailler avec le gouvernement du Clichot ainsi que la députée pour offrir ces mises à jour. Lorsqu'il y a des mises à jour qui sont disponibles, alors j'aimerais juste noter ici que, alors on s'attend justement d'une attente de la part du partenaire Clichot d'ici la fin du mois de juin pour pouvoir se pencher sur la conception et par la suite, on va pouvoir même commencer la production agréée, c'est où on se trouve présentement. Alors, je serais ravie à n'importe quel moment d'offrir des mises à jour lorsqu'il y en a. Merci. Merci, Madame la ministre. Question orale, député de Montfrey. Monsieur le Président, alors j'ai aussi demandé que le ministère de l'Infrastructure assure la sécurité de ce pont, étant donné qu'un pont remplacement n'est pas envisagé. Est-ce que la ministre s'engage à examiner les rapports des inspections et par la suite que ces inspections soient menées par des experts si la situation, c'est le cas échéant. Merci, député de Montfuy, la ministre responsable des infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cours de la dernière assemblée ou encore pendant la dernière séance, la députée a demandé de participer dans l'inspection des ponts. Alors maintenant, je suis en train de terminer une lettre qui sera envoyée au leadership ainsi à la députée pour assurer d'inviter la députée et la chefferie d'assister à une de nos inspections de ponts. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Question supplémentaire. Députée de Montfrey. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère de l'Infrastructure a déclaré que ce pont sera plus large que le pont existant qui a été bâti dans les années 60. Plus précisément dans l'année 60. Est-ce que la ministre pourrait nous offrir des détails de la nouvelle conception? Est-ce qu'il va avoir justement une plateforme de... et que la séance et la technologie seront intégrées? Est-ce qu'elle va nous permettre de voir la conception? Merci, député de Montfrey, la ministre responsable de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tel que j'ai mentionné, ça va prendre 3 ans pour pouvoir octroyer ce contrat et les éléments qu'on est en train d'examiner présentement, d'obtenir les permis et de faire la conception. Alors, on n'est pas encore là, Monsieur le Président. Alors, pour pouvoir compléter la construction, alors il n'y a aucune conception encore, mais notre ministère serait prêt à se pencher sur le travail d'ici de là-bas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Question orale, député de Quetzal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, dans ma déclaration du député, j'avais mentionné un article des nouvelles qui avait dit 70% venait de Yellowknife. Est-ce que le ministre ou la ministre trouve ces statistiques troublantes, étant donné que les territoires de l'Ouest accueillent 33 communautés? Merci, député de Gatcho, le ministre des Affaires municipales et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Alors, les Jeux de Canada, c'est un jeu plurisportif qui rassemble les différentes athlètes talentueux de différentes compétences qui souhaitent représenter le Canada à l'échelle nationale et internationale. Et il y a plus.
Il y a beaucoup à développer dans, au sein des 33 communautés avec les athlètes et les entraîneurs, mais c'est pas une, je suis d'accord avec cela, ce n'est pas simplement une question de financement, c'est aussi une question d'organisation et d'assurer que les établissements et les centres de loisirs demeurent ouverts. Comme, de cette manière, les athlètes vont pouvoir s'entraîner. Les Jeux du Canada, c'est une opportunité pour que les athlètes du Nord, je peux assister que notre équipe de province territoriale va assister à les Jeux autochtones. Et, pour assurer, et ces Jeux sont autochtones. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Question orale, député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, et j'aimerais remercier le ministre pour cette réponse. Dans ma déclaration, j'ai aussi mentionné un autre article du directeur exécutif de Sports North. Alors, il y avait un entretien. Et dans cet entretien, il ne faisait pas d'un suivi de l'ethnicité de leurs athlètes. Alors, donc, il ne savait pas exactement le nombre d'athlètes autochtones. Est-ce que le ministre trouve ça un peu troublant, étant donné que les territoires du Nord-Ouest accueillent plus ou la résidence de plus de 50 % d'une population qui est autochtone? Merci, le ministre responsable des affaires municipales et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette année, notre ministère a mené une consultation avec différentes parties prenantes concernant un nouveau cadre d'exercice physique et loisirs, que ça comprenait des différentes sessions avec des gouvernements autochtones, des organisations sportives, et des organisations diverses inclusives, des représentants organisationnels, y compris des entraîneurs, entre autres. Mais aussi, nous avons travaillé avec les sports autochtones en vue de leur travail qu'eux, ils font en matière de le cadre national. Alors, on a aussi mis le cadre sportif qui comprend des indicateurs de performance qui fait un suivi de l'évaluation de différents programmes et services. Le ministère des Affaires municipales et communautaires fait un suivi des indicateurs en matière d'équité, la participation communautaire et la participation d'athlètes. Alors, on va faire un suivi de ces données à l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Question orale, député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que c'est deux reprises que le ministre a mentionné les athlètes autochtones ne sont pas très bien accueillis dans les Jeux Canada? Parce que comme on les a déférés au cercle des sports autochtones, Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer qu'est-ce que le gouvernement du territoire du Nord-Ouest est en train de faire pour accroître la participation des athlètes autochtones et des petites collectivités en matière des événements sportifs, tels par exemple les Jeux hiver et aussi les îles hiver et les Jeux estivales? Merci, député de Gatineau, le ministre des Affaires municipales et communautaires. J'aimerais corriger le député, je n'ai pas dit que nos athlètes autochtones ne peuvent pas assister aux Jeux du Canada ou les Jeux d'hiver, mais je veux juste dire qu'aux athlètes, ils assistent. Alors, je ne d'accord pas respectueusement la déclaration de député. Alors, le gouvernement du territoire Nord-Ouest continue ou reconnaît que les petites collectivités font face à des défis en matière de capacité. Alors, ils ont besoin d'avoir plus de soutien développé à l'échelle communautaire. Alors, cela, on doit faire cela pour pouvoir aider les athlètes à se développer. Alors, on offre le financement pour soutenir le développement des entraîneurs du Nord et aussi d'utiliser le cercle du sport pour développer le leadership. Alors, on vise à financer les programmes de loisirs des sportifs. Alors, le ministère et ses partenaires continuent à investir dans le développement dans les leaders locaux. Si on combine tous ces investissements pour soutenir les athlètes dans le développement ici dans les territoires du Nord-Ouest, le gouvernement doit continuer à travailler avec les parties prenantes pour s'assurer qu'on est en train d'utiliser le financement et ces investissements pour soutenir les athlètes stratégiquement. Dernière supplémentaire, député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre pour cette réponse. À plusieurs reprises, j'ai demandé que le ministère envoie leurs experts au sein des communautés sur le terrain qui sortent de Yellowknife et qui ne restent pas sur leur trône ici. Ils ont vraiment besoin de sortir sur la terre,
Peut-être parce qu'on a un roulement de matière de directeur et ils ont des formations limitées. Alors, ils ont vraiment besoin de ce soutien supplémentaire. Monsieur le Président, si on est capable d'accueillir les Jeux d'hiver et le tournoi de fastball, alors ça se peut qu'ils ont pouvoir consulter plusieurs commanditaires, y compris, par exemple, le gouvernement autochtone. Je sais que ça demande plusieurs efforts d'organiser ce type d'événement de ce genre d'envergure, mais lorsqu'on pense à les Jeux qui ont été accueillis en 2018, on peut le faire si on y pense un petit peu. Je sais que Yellowknife a rejeté cette offre d'accueillir les prochains Jeux d'hiver. Est-ce que la ministre pourrait nous offrir des détails pourquoi le ministère aurait pu faire pour pouvoir améliorer ou rehausser l'offre? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors en premier lieu, alors les Jeux de 2023, les Jeux de l'Arctique et 2023, à cause de la situation en Ukraine, alors ils n'allaient pas accueillir ces Jeux. Alors, c'est la raison pour laquelle ils se sont tournés vers nous pour pouvoir faire avancer notre demande qui était en effet pour 2022. Alors oui, les territoires nord-ouest, nous avons considéré d'accueillir ces Jeux. Et je peux confirmer que le gouvernement des territoires nord-ouest a communiqué au Comité international des Jeux d'hiver qu'on n'allait pas avancer notre demande d'addition. Alors, on peut regarder différents budgets, différents études d'allocation sociale qui ont été engagés par le comité international. La situation était celle de Yellowknife, et c'est à elle à prendre. Aucun jeu d'hiver réussi, elle n'a jamais a été menée sans la participation, l'engagement de la part du gouvernement. Même si on est fort enthousiaste de 2023, je soutiens ces Jeux. Je sais que le Comité international des Jeux hivernales va accueillir notre demande d'addition. Oui, on est encore en train de travailler sur là. Ils ont demandé de l'avancer et on a travaillé avec la ville de Yellowknife pour voir s'ils pouvaient accueillir cet événement. Ils nous ont retourné, ils ont dit que ce n'était pas possible avec les paramètres qui étaient exigés. Alors, 28, c'est les Jeux arctiques seront cédulés ici dans le territoire du Nord-Ouest et c'est ce qu'on vise. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Question orale, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le ministre de l'Infrastructure concernant un voyage à l'ambassade américaine. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de l'objectif et qui doit assister à cette rencontre? Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Frame Lake, la ministre d'Infrastructure. Monsieur le Président, le 4 mai, j'ai assisté à une rencontre qui a été organisée par les services commerciaux de l'ambassade des États-Unis. J'ai été rejoint par deux agents aux fonctionnaires du ministère de l'Infrastructure et un aux fonctionnaires des affaires autochtones et de l'exécutif autochtone qui était déjà à Ottawa. L'objectif de cette rencontre, c'est d'avoir un briefing de la société Inuit concernant le développement d'un port et une autoroute ici dans le nord, dans l'ouest de notre route. Même si je ne me rappelle pas de tout qui était présent ou je n'ai pas vu la liste, il y avait des représentants de l'association Kitmit Inuit, le gouvernement Inuit, y compris le premier ministre, le sous-ministre, ainsi le ministre de le développement économique et des transports. Et Pierre Laurie Kilawin de Nunavut était aussi présent, le sénateur Patterson de Nunavut, ainsi que des hauts fonctionnaires de différents ministères du gouvernement du Canada, ainsi que des représentants de l'ambassade américaine, de la garde côtière américaine, aussi de PwC, Prince Waterhouse Canada, Engineering Company, à d'autres invités. Alors, ça, c'est les invités que je me rappelle qui étaient présents. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre. Question, député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Alors, ça semble toute une rencontre, n'est-ce pas? Alors, sur ce type de projet de grande envergure, ils viennent, ils s'en vont, mais ils enlèvent vraiment de qu'est-ce qui devrait des efforts sérieux pour pouvoir diversifier notre économie. Est-ce que la ministre pourrait nous indiquer quel est l'intérêt des États-Unis d'accueillir ce type d'événement? Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives qui ont été discutées vis-à-vis des infrastructures d'envergure? Merci. Réponse.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tel que mentionné, alors, c'était un briefing qui a été offert par l'association Kitmit Inuit, spécifique au développement d'une autoroute aéroport dans l'ouest de Nunavut. Ça, c'est une autoroute toute saisonnière et un port. C'est vraiment le potentiel de pouvoir transformer le Nord ainsi de connecter le système de transport international à travers le Yellowknife. Et c'est vraiment de combler la lacune d'infrastructure ici dans l'article. Ce type d'infrastructure va pouvoir aider à faire progresser les intérêts canadiens et américains, y compris la fourniture de minéraux critiques, la souveraineté du Nord, etc. Merci. Question. Monsieur le Président, encore, ces projets pour pouvoir détruire justement la troupe du Caribou Bathurst. Alors, je me demande que c'est pour avoir un incident néfaste sur les troupes, surtout lorsque leur population est tellement basse. Et ça, on n'a pas une réponse qui est bien rejetée. On se trouve exactement là parce qu'il n'y a aucun effort qui a été fait pour pouvoir trouver une garantie permanente, une protection permanente de l'habitat. Est-ce qu'il y a une discussion sur les caribous ou sur tout autre enjeu environnemental partant cette rencontre? Merci, député de Frame Lake, la ministre responsable de l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors la présentation qui a été offerte par KIA, c'était plus un survol des différents bénéfices internationaux, nationaux et communautaires de ces projets eux-mêmes. Il n'y avait pas une reconnaissance claire concernant l'importance du caribou et l'environnement. Alors, non, donnez-moi une seconde. Attends, je vais reprendre cela. Il y avait une reconnaissance importante concernant l'importance du caribou et de l'environnement et de faire les choses correctement. Mais cette rencontre n'est pas rentrée dans les détails concernant l'incident sur le caribou. C'est plus pour la génie et les considérations environnementales. Merci, Madame la ministre. Dernière question supplémentaire, députée de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre pour cela, les gens de ce côté de la Chambre sont plus préoccupés des caribous parce qu'on sait justement qu'on se préoccupe. Alors, j'adore Cabin River parce que ça a vraiment identifié tous les éléments de pouvoir communiquer avec ces députés. Cette rencontre de l'ambassade, c'est juste un autre exemple. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi il y a une communication régulière avec les députés concernant cet événement avant ou après cette rencontre? Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Frame Lake, la ministre d'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors je sais que mon état, ma présence à cette rencontre est à travers la secrétaire de presse à travers notre avis d'activité ministérielle. C'est à ce moment-là que j'ai donné l'avis que j'allais assister à cette rencontre. Le gouvernement a établi le progrès du corridor du projet de Slave géologique parce que c'est une des initiatives stratégiques qu'on est en train de mener au sein de notre mandat parce qu'avec ses liens à la province géologique de Slave, et tout le potentiel pour pouvoir une autoroute toute saisonnière et un port. Alors, l'échelle politique dans cet égard, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire. En vertu de mon mandat en tant que ministre d'Infrastructure, étant donné, j'attends un intérêt de la part du député concernant cette rencontre en particulier. Monsieur le Président, je serais ravi de partager avec lui une copie de la présentation et de tout contenu qui nous ont été partagés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question orale, député de Tabacha. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait considérer le bâtiment Crystal comme ce centre de détoxification et de soins? Merci, député de Tabacha. La ministre responsable pour les services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Trail Cross, un abri pour les jeunes, a fermé ses portes au mois d'octobre de l'année dernière parce que justement, il y avait un taux d'assistance assez bas. Puis, alors, le bâtiment n'était pas bien utilisé. Alors, ces jeunes ont été accueillis par des familles d'accueil. Et depuis ce moment-là, on a déterminé que ce bâtiment peut être utilisé. Le système
que le ministère des services de santé et des services sociaux voit s'il y a une programmation et s'il n'y a pas de programmation disponible ou qui répond aux critères du bâtiment, ça va être ajouté à l'infrastructure. Alors, la prochaine chose qui va se passer au sein de ce bâtiment, ça va faire partie d'un projet pilote axé sur la terre qui va avoir lieu au sein des trois communautés. Une de ces communautés, c'est Fort Smith. Alors, il a un besoin pour ce type d'infrastructure que l'ancien centre de Trail Cross offre. Alors, ce projet pilote va être la prochaine chose qui va se passer. Entre-temps, alors, j'ai continué à parler au conseil des leaders des TNO concernant la toxicomanie, les soins, pour mieux comprendre de leur perspective quelles sont leurs priorités mettre en place ces types de structures et les soutiens nécessaires. Merci. Question orale, député de Tabacha. Merci, Monsieur le Président. Cet établissement pourrait être transformé dans un établissement qui accueille tous les genres. Est-ce que la ministre est d'accord avec cette idée? Merci, député de Tabacha. La ministre de la Santé et Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie cette question. Alors, comme vous savez, on est en train de travailler pour pouvoir renforcer le poste d'observation, les suivis avec les gens vivant avec des addictions. Le mois centré ou concernant où ça va avoir lieu, plus sur qu'est-ce qu'on va offrir. Et je pense que vous avez mentionné ici, dans cette chambre, qu'il n'y a pas aucun centre qui va pouvoir desservir tous les besoins des territoires du Nord-Ouest. Alors, Trail Cross peut-être va faire partie de la solution, mais je ne pense pas que ce sera la solution en partie entière. Merci, député de Tabacha. Merci, Monsieur le Président. L'emplacement de Trail Cross est parfait justement pour la détoxification de suivi parce que c'est éloigné de la plus grande centre humain. C'est dans un lieu fantastique, entouré de verdure. Est-ce que la ministre est d'accord avec cette déclaration que ce serait le mieux emplacement pour ce type d'établissement? Merci, Monsieur le Président. Député de Tabacha, la ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée pour cette question. Alors, sans sachant exactement la programmation, c'est très difficile d'offrir un commentaire concernant un lieu idéal ou un emplacement idéal. Merci. Merci, Madame la ministre. Question orale, député de Tabacha. Monsieur le Président, est-ce que la ministre serait prête à considérer un établissement de suivi dans Trail Cross, étant donné l'état de la santé mentale et le bien-être ici dans le territoire du Nord-Ouest, parce que le bâtiment est complètement vide présentement. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Tabacha, la ministre responsable de l'infrastructure. Pardon, la ministre de la Santé et Services sociaux. Monsieur le Président, Trail Cross a été utilisé pour les jeunes et ça continuera d'être utilisé dans le nouveau projet pilote. Merci, Madame la ministre. Question orale. Député de Inuvik Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors mes questions sont pour le ministre de l'Infrastructure. Si elle pourrait nous indiquer à quel moment le projet, le lien sera complété et en marche. Merci, Monsieur le Président. Député, merci, député. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors le travail est en cours présentement avec le projet Le Lien des Inuvik. On vise justement que ça soit terminé d'ici la troisième semaine du mois d'août. Merci, Madame la ministre. Question orale, député des Inuvik Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Wow! J'espère que je vais pouvoir couper le ruban avec elle. Est-ce que la ministre pourrait nous offrir une estimation concernant les coûts? Parce que je pense que les derniers, c'était à peu près 70 millions. Là, je veux juste m'assurer qu'on est toujours, on vise toujours à arriver à ce chiffre. La ministre responsable de l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors le coût du projet
pour tout le projet était entre 60 et 70 millions. Alors, j'aimerais juste noter de ce coût, Monsieur le Président, 39,9 millions a été sécurisé à travers le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral. Alors, il n'est pas trop tôt encore, mais on va pouvoir avoir un meilleur indice une fois qu'on s'apprête à couper ce ruban. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Question orale, députée de Inuvik-Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais juste entendre la ministre. Alors, ma prochaine question portait sur le point suivant. Alors, je sais que le gouvernement s'est engagé 30 millions. Je pense qu'il a parlé de 39,9 millions. Alors, je me demande, est-ce que c'est entre 60 à 70 %? Finalement, on avait budgété un montant. Alors, est-ce qu'on s'attend justement de pouvoir que ça sera compensé par le gouvernement? Il y a plus d'argent. Est-ce que vous allez demander au gouvernement fédéral pour plus d'argent pour compléter ce projet? Merci, députée de Inuvik-Twin Lakes, la ministre des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Ça, c'est une excellente question de la part de la députée. Et vous savez, je veux juste m'assurer que j'ai une bonne réponse ou une réponse adéquate pour la députée. Alors, j'ai besoin d'examiner un chiffre pour lui revenir avec une réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Dernière question supplémentaire, députée de Inuvik-Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre. Alors, je commence à, si on commence à voir un chiffre pour qu'on soit au courant du prix. La dernière question que j'ai pour la ministre projet, je sais que je l'ai soulevée à plusieurs reprises ici dans cette chambre, ça a commencé même avant que je devienne députée ici. Il y avait des enjeux. Alors, je me demande si il va y avoir des leçons tirées ou des recommandations au cas où si on décide de faire ces types de projets dans les territoires du Nord-Ouest. Merci, député de Inuvik-Twin Lakes, la ministre d'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, je porte deux chapeaux en tant que ministre d'Infrastructure ainsi que ministre pour la Société d'énergie des territoires du Nord-Ouest. Alors, ces types de projets d'envergure, on a un débriefing à la fin pour examiner les différentes leçons tirées. Alors, j'entends les inquiétudes de la députée concernant ces projets d'envergure. Alors, on a besoin d'avoir ces leçons tirées et de pouvoir identifier les améliorations qu'on pourra apporter à des projets à l'avenir. Merci. Question orale, député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. J'ai des questions pour la première ministre. Le gouvernement dit qu'il ne va pas retirer son objection en matière de la loi sur la jeunesse. Si le gouvernement ne va pas le faire, quelle mesure la première ministre va une fois que la Cour suprême du Canada rend sa décision, et qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir rétablir la confiance érodée? L'honorable première ministre, alors en effet, je ne veux pas parler de la procédure judiciaire, c'est toujours en train d'examiner, mais je suis un petit peu... Je suis en train de parler au président Dwayne Smith. Alors, je ne sais pas de cette confiance érodée. Je sais que la santé est en train de travailler avec ce ministère. Je sais que j'ai une bonne relation avec le président. Et je vais faire un point ici. Puis, viens justement s'il y a une question de confiance érodée. Je vais m'attaquer à cela tout de suite. Et lorsque cela a été soulevé comme inquiétude, je me suis assis avec le président de la société des Equality. Je pensais qu'on avait une bonne compréhension, mais peut-être que le député a des renseignements différents. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Merci, Madame l'honorable première ministre. Question orale, député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. Alors, la première ministre n'est pas au courant. On n'a pas regardé notre rencontre avec la IRC lorsqu'on avait discuté concernant le comité des développements sociaux, qui était une rencontre publique. J'aurais espéré que son effectif au sein de son ministère et au sein du ministère de la Justice n'est pas très content concernant qu'est-ce qui se passait. Mais je ne veux pas que ce n'est pas vraiment la question que j'ai posée. Le mandat de la première ministre est vraiment s'assurer que toutes les voix des régions sont entendues, mais 5 des 15 organisations et organisations n'ont pas adhéré à l'approche à la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones. Alors, je me demande si chacun de gouvernements et organisations autochtones
ont des préoccupations. Je leur demande comment ils seront abordés. Merci, Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça dépend aussi de la sémantique. Ça dépend quand les choses sont libellées. Alors, on peut dire 5 de 15, on n'a jamais adhéré, ou on peut dire que 10 de 15, on sait, on adhéré. Il y a un protocole en vertu de le Conseil des leaders. Alors, on savait qu'on n'allait pas atteindre 100%. Le gouvernement autochtone a dit on veut avoir une majorité. C'est eux qui ont défini comment ça allait se présenter, parce que ça, c'était vraiment qu'est-ce qu'on travaillait. Alors, lorsqu'on est en train de travailler avec ceux qui n'ont pas adhéré pour différentes raisons, alors même qu'ils pensent que c'est le gouvernement territorial nord-ouest, ce n'est pas un gouvernement, je ne veux pas nommer, puis j'ai des rencontres avec ces individus tout le temps, mais pour, concernant la loi elle-même, alors, il y a un protocole en place qui est en train d'être lu dans la Chambre. Le comité est en train de faire son travail. Je n'essaie pas de saper le comité. Je vais attendre que le comité a terminé son travail et qu'il ramène les recommandations, parce que sinon, ce serait inapproprié d'essayer qu'ils adhèrent à quelque chose lorsque le comité est en train de faire leur travail à ce moment donné. Mais, Monsieur le Président, j'ai une relation de porte ouverte avec les gouvernements autochtones à n'importe quel moment. Alors, chaque chef a mon numéro de téléphone. Je suis toujours prête à me rencontrer avec eux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre. Questions orales, député de Great Slave. Madame la Première ministre, cela ne veut pas dire grand-chose si on n'est pas à l'écoute des gens. C'est 67%. Des organisations autochtones qui vous soutiennent, ça ne serait pas un bon bulletin de notes chez un élève. Donc, le fait qu'on n'a pas le soutien de ces entités met en évidence quel sera le sort de cet accord des Nations Unies. Le gouvernement dit qu'il faut attendre 2 ans de plus avant de voir un plan d'action. Donc, on ne sait pas si le gouvernement va faire quoi que ce soit pour mettre en place la déclaration avant 2025. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement de mettre en place des programmes de qualité qui respectent l'esprit de la déclaration avant 2025? Merci à la députée de Great Slave, la Première ministre. Je suis d'accord avec la députée à 100%. L'ancien grand chef de l'administration Clichill m'a dit que trop souvent les politiciens écoutent ou entendent mais n'entendent pas. Et ce grand chef a dit que moi, j'écoute et j'entends. Pour ce qui est de notre plan de mise en œuvre, oui, il y aura certaines choses à faire. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Ça va prendre des décennies, des années. C'est donc un engagement qui existera sous forme de mesures législatives. Nous avons beaucoup fait au niveau de la déclaration de l'ONU. Nous avons beaucoup fait car c'est la bonne chose à faire de travailler en partenariat avec les administrations autochtones. Je suis femme métisse, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et la députée peut dire ce qu'elle veut, mais comme femme autochtone, c'est quelque chose d'important pour moi. Je vais ignorer la députée. Donc ce gouvernement n'attend pas. Un rappel au règlement, nous allons prendre une courte pause. La députée de Great Slave avait un rappel au règlement, mais finalement, ça n'a pas été enregistré. Donc je vais demander à la députée de répéter son rappel au règlement. Selon le règlement, on ne peut pas faire des accusations contre un député, un greffier, un membre du public ou prêter des intentions
utiliser un langage offensant qui crée un désordre. Il me semble que la première ministre a fait exactement cela. Merci à la députée de Great Save. Je vais permettre à la première ministre de parler au sujet de ce rappel au règlement. Monsieur le Président, je n'avais pas l'intention de prêter des intentions, ce n'était qu'une observation. Je regardais vers la députée qui avait une expression très grave et peut-être ce n'était qu'une observation, mais peut-être je me suis comporté de façon inappropriée, donc je vais accepter les conséquences que recommande le Président. Je vais prendre la décision plus tard aujourd'hui. Et donc, veuillez vous comporter de façon appropriée. Ne faites pas de grimaces. Je me rappelle, il y a très longtemps, lorsque je n'étais que simple député, je comprends à quel point parfois les choses mènent à la frustration. Parfois, on ne reçoit pas les réponses qu'on veut. Et à plusieurs reprises, je me suis fâché. Donc, je vous comprends, mais soyons respectueux dans cette chambre et envers nos commettants. Cela dit, on continue. Question complémentaire finale, la députée de Great Slave. Merci, je n'ai pas de question complémentaire. La députée de Cam Lake. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes questions s'adresseront au ministre de la Santé et des Services sociaux. En février, le fédéral a annoncé un investissement de 198 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé des Canadiens. Pour accéder à ce financement, le gouvernement a besoin de plans d'action pour expliquer la façon dont le financement sera alloué. Je me demande si la ministre pourrait nous donner une mise à jour de là où nous en sommes. Merci à la députée de Cam Lake, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci à la députée de sa question. L'augmentation totale des dépenses en santé du gouvernement du Canada était 12 millions de dollars. Notre budget est de 610 millions de dollars. Donc vous comprenez que nous n'étions pas très heureux de voir cette augmentation après avoir été offert 7 millions de dollars par an, 2 millions pour le transfert de santé ponctuel, hôpitaux pédiatriques et d'urgence, et 2,9 millions de dollars en financement pour le fonds d'investissement en santé. La première ministre avait commencé les négociations avec le soutien des autres premiers ministres territoriaux qui étaient aussi déçus par l'offre du fédéral. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas porté fruit. Nous avons conclu un accord sur 10 ans plutôt que sur 5 ans, mais finalement, le financement n'a pas été augmenté. Nous sommes prêts à signer le protocole d'entente. Entre-temps, mon personnel élabore un plan d'action qui sera déposé le 1er juillet. Merci, Madame la Ministre. Questions orales, la députée de Cam Lake. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment dommage que le ministère et la population auront besoin d'un plan d'action pour cette croissance obligée. C'est bizarre que le fédéral dit qu'il fait toutes sortes de choses au niveau de la santé à l'échelle du pays. Donc j'apprécie le fait que la ministre reconnaît l'existence d'un plan d'action du ministère qui s'adresse au fédéral concernant cette augmentation de 12 millions de dollars et que ce plan sera déposé le 1er juillet. Mais la ministre peut-elle nous décrire les programmes particuliers qui recevront un financement?
Désolé, je modifie ma question. Donc, quels programmes seront touchés par cet investissement? La ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, ce n'est pas quelque chose qui cible un programme particulier. Il y a quatre domaines touchés par cet accord bilatéral. Les dépenses doivent être liées aux résultats en santé mesurés par l'Institut canadien des informations de santé. Il y a certaines choses en cours pour normaliser ce processus. C'est pas tous les territoires de compétences qui font la collecte des mêmes informations et parfois la collecte est plus difficile que, en fait, la valeur, du processus. Donc, il y a certains efforts en cours à cet égard. Mais de façon générale, il y a un financement pour les soins à domicile, les soins communautaires, la santé mentale, la toxicomanie. Et il y a deux autres choses, mais je m'en rappelle pas. Merci, Madame la Ministre. Questions orales, la députée de Kamloops. Merci, Monsieur le Président. Je les ai sous les yeux, c'est-à-dire les attentes du fédéral. Et la ministre a raison, les soins à domicile, l'accès amélioré à la santé mentale, le soutien aux travailleurs de la santé et s'attaquer aux arriérés. Donc je ne comprends pas pourquoi le fédéral ne nous donne qu'un investissement de 12 millions de dollars pour faire toutes ces choses. Donc la ministre dit que tout est basé sur les résultats de santé et qu'il faut pouvoir les mesurer et ensuite fournir les résultats au fédéral. Comment se fait-il que le fédéral pense que les résultats seront améliorés dans les territoires à la lumière de cet investissement qui n'est pas vraiment un investissement dans le réseau de la santé? Donc, comment le ministère de la Santé va-t-il fournir des informations sur les résultats de cet investissement? Et est-ce que nous allons investir plus dans ces programmes comme le demande le fédéral? Merci à la députée, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Une chose que nous allons faire pour minimiser le fardeau administratif lié à cet investissement, car c'est vraiment un investissement très modeste et donc nous ne voulons pas devoir trop faire. Nous fournissons déjà certaines statistiques à l'Institut des informations en santé sur les temps d'attente, les espérances de vie, les statistiques liées aux urgences. Donc, l'investissement qu'on reçoit ne va pas s'attaquer aux problèmes du réseau de la santé, mais en fait, va s'attaquer à certains problèmes très modestes. Et donc, je vais continuer à expliquer au fédéral qu'il faut augmenter le financement en santé afin de répondre à nos besoins et de faire la différence. Question complémentaire. C'est bien que la ministre dit qu'elle ne veut pas devoir trop faire pour répondre aux exigences en matière des informations à fournir, mais avec cet accord, le fédéral oblige le gouvernement des TNO de faire certains investissements, mais ne nous donne qu'une somme très modeste. Donc, c'est bien que la ministre de la Santé demande plus de financement du fédéral. Le fédéral travaille fort pour nous obliger à investir dans ces quatre ou cinq domaines. Donc, est-ce que le gouvernement des TNO pourrait influencer ces discussions? Avons-nous l'intention de faire impliquer les résidents des TNO concernant là où ces investissements devraient être faits? Merci à la députée de Kamloops, ministre de la Santé et des Services sociaux. Chacune des régions a un conseil de bien-être qui a 7 membres, qui se réunissent 4 fois par an. Ces groupes donnent une rétroaction directe au conseil de la direction
Concernant les lacunes, les priorités, cette entité a des rencontres 4 fois par an avec les présidents des conseils de bien-être régionaux. Je les rencontre à chaque fois afin d'entendre parler de leurs besoins et de leurs priorités. Donc c'est notre façon de faire pour être au courant des attentes des gens vis-à-vis du réseau de la santé. Le temps pour les questions orales est écoulé. Questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Pétition. Dépôt de documents. Ministre des Finances. Monsieur le Président, je voudrais déposer les 4 documents suivants. Crédit supplémentaire en infrastructure numéro 2, 2023-2024. Crédit supplémentaire, coût d'exploitation numéro 1, 2023-2024. Rapport sur les accords socio-économiques et rapport sur le secteur pétrolier des TNO. Dépôt de documents. L'honorable Premier ministre, Monsieur le Président, j'aimerais déposer le document suivant, lettre de suivi à la question orale concernant l'enquête publique sur le crash de la satellite soviétique. Merci, Madame la Première ministre, dépôt de document. Collègues, conformément à l'article pertinent de la loi que nous sommes en train d'étudier, je dépose le rapport sur la gestion du régime de retraite de l'Assemblée législative dépôt de documents. Avis de motion. Motion. Avis de motion tendant la première lecture du projet de loi ministre des Infrastructures. Monsieur le Président, le 1er juin 2023, je vais déposer le projet de loi 93, la loi sur les technologies géoscientifiques et qui sera lu pour la première fois. Merci, Madame la Ministre. Oui, avis de motion, première lecture de projet de loi. Ministre de la Justice, oui, je donne le préavis que je vais présenter le projet de loi 94 pour première lecture. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Avis de motion pour la première lecture de projet de loi, première lecture de projet de loi, première lecture de projet de loi, deuxième lecture de projet de loi. Oui, le député de Kamlik. Merci, Monsieur le Président. Je propose que le projet de loi 99, loi modifiant la loi numéro 5, reçoive une deuxième lecture. Monsieur le Président, ce projet de loi modifie la loi sur l'Assemblée législative et le Conseil exécutif afin d'ajuster annuellement l'allocation de la partie 5 de l'annexe C sur la variation moyenne de l'indice des prix à la consommation au cours des 5 dernières années. Merci, Monsieur le Président. Merci, la députée de Kamlik. Oui, motion concernant principe, on a appelé la question, tout ce en faveur, tout ce contre, abstention. La motion est adoptée. Donc, le projet de loi 90 reçoit une deuxième lecture. Deuxième lecture des projets de loi. Je propose, appuyé par la députée de Dapaja, que le projet de loi 91, la loi modifiant la loi 2, reçoive une deuxième lecture. Monsieur le Président, ce projet de loi modifie la loi sur les taxes sur les produits pétroliers et le carbone afin d'établir un rapport annuel concernant l'administration de la taxe sur le carbone en vertu de la loi. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de Frame Lake. Oui, y a-t-il des motions concernant le Président?
Merci. J'aimerais faire quelques remarques sur la deuxième lecture de ce projet de loi. C'est une deuxième lecture qui donne suite à la recommandation de la dernière assemblée sur les recommandations, et j'aimerais lire cela du rapport du comité permanent sur les opérations gouvernementales. Donc, la recommandation 3, le comité permanent recommande que le ministère des Finances dresse un rapport annuel devant l'assemblée sur la taxe sur le carbone, qui fournit les détails sur les taxes de carbone perçues, les taxes de carbone perçues des grands émetteurs, nombre de repaiements, les octrois, les revenus, les recettes prévues et un plan annuel pour les réinvestissements futurs des revenus sur la taxe sur le carbone. C'était les recommandations, Monsieur le Président, de 2019, et je crois que ce projet de loi est en réponse à ces recommandations. Et je dois noter que nous avons eu davantage de débats sur ce sujet, qui va être considéré comme le projet de loi 60 dans cette assemblée. Et à ce point-là, la ministre a indiqué qu'elle voulait mettre en avant un projet de loi qui vise à aborder les octrois municipaux, les subventions municipales et d'autres détails. Et nous aurons plus de détails à l'avenir. Mais mon projet de loi, proposé par un député, se concentre sur le ministre des Finances et les fonds perçus en vertu de la loi sur la taxe sur le carbone. Et cela nécessiterait une estimation des coûts, des réductions des gaz à effet de serre et une analyse fiscale concernant l'efficacité de la taxe sur le carbone sur la réduction des gaz à effet de serre. Je souligne qu'il y a déjà des rapports bénévoles établis sur une base volontaire, mais je crois que les ministres des Finances à l'avenir doivent continuer cette pratique en vertu d'une loi. Je souhaite que le public sache que j'ai essayé de travailler avec les membres du Conseil des ministres sur ce projet de loi. J'ai fourni une ébauche, mais je n'ai pas reçu de réaction. Et il y a peut-être quelques points de contention dans le projet de loi sur ce qu'il devrait avoir, il va avoir ou non une émission du montant de gaz à effet de serre réduit. Et je crois que c'est en ligne avec notre politique de gouvernement transparent et notre initiative de renouvellement qui a été dirigée par la ministre des Finances et nos principes d'évaluation de programmes qui sont en vigueur dans cette chambre. Et j'aimerais citer le lanceur du 25 mai où le ministre des Finances a confirmé que, bien sûr, que la taxe sur le carbone a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et voici une citation du Hansard du 25 mai, et je cite, « Dans le rapport annuel qui a été émis par le ministère des Finances et dans le message du ministre, c'est indiqué que la taxe sur le carbone encourage la conservation et la substitution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. » Donc, c'est très important que ça vienne du ministre de la Finance, des Finances, et ça fait le lien entre la taxe sur le carbone et les émissions de gaz à effet de serre et la réduction de ces émissions. Donc, j'ai hâte de voir l'examen par le comité permanent de ce projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Réaction à cette motion. Leader du gouvernement, merci. Dans l'esprit du gouvernement de consensus, le gouvernement ne va pas entraver les présentations des projets de loi des députés. Dans la deuxième lecture, nous n'endossons pas le projet de loi, mais nous n'allons pas créer des entraves, donc nous allons abstenir. Merci. Donc, la motion est placée, la question a été appelée, tous en faveur, tous contre. Abstention. La motion est adoptée. Donc, le projet de loi 94 est en deuxième lecture. Oh, désolé. Je crois que c'est le mauvais projet de loi. C'est le projet de loi 91 en deuxième lecture.
Deuxième lecture de projet de loi. Deuxième lecture de projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je propose un consentement unanime de d'approcher les règlements et de passer la loi 90 à la révision de comité plénière et non comité permanent. Oui, donc la députée souhaite un consensus unanime pour le projet de loi 90. Est-ce qu'il y a des réactions? Le député de Kamloops. Désolé, ça va. Le projet de loi va passer en comité plénière. Deuxième lecture de projet de loi. Étude en comité plénière de projet de loi. Projet de loi 23 et 29. Réponse du gouvernement des territoires du Nord-Ouest au rapport de comité 26-19, alinéa 2, le député d'Inuit Queen Lakes. Le comité veut considérer le document 940 et nous aimerions considérer les opérations d'abord et les infrastructures en deuxième lieu. Le comité est-il d'accord? Oui, donc le comité va prendre une pause et nous allons reprendre avec les opérations. Merci. Comité, nous avons convenu d'examiner le document de 941-19-2
Le budget supplémentaire, les dépenses, exploitation numéro 1, 21, 23, 24. Est-ce que le ministre a dit un mot d'ouverture? Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je vais présenter pour les budgets supplémentaires, les dépenses, l'exploitation numéro 1, 20, 23, 24. Le seul budget supplémentaire qui a été proposé offre une hausse de 130,5 millions de dollars qui comprend 21,6 millions d'envois été compensés par des revenus de la part du gouvernement du Canada et 48,4 millions a été compensés par ce qui découle du 2023-2024. Alors, ces dépenses qui ont été proposées, les dépenses suivantes. 42,4 millions de dollars pour continuer justement les activités de récupération d'inondations ici dans le territoire du Nord-Ouest. 15,1 millions de dollars de subventions pour pouvoir faire face à les hausses en électricité. 8,7% pour les centres associés aux centres technologiques qui ont été encourus par les améliorations technologiques qui ont été entreprises par le gouvernement du territoire de l'Ouest. 48 millions par des entités qui ont été identifiées pour pouvoir finaliser les budgets 2023-2024. 14 pour pouvoir recevoir des dans le nouvel centre de fait passé, puis aussi des extensions pour dans le programme de police Inuit. 160 000 $ pour des services électriques dans l'hôpital Stanton et 153 000 $ pour les services d'aide. Alors, de plus, je propose les dépenses supplémentaires qui sont soutenues par des accords fédéraux, y compris 10,1 millions de dollars pour soutenir l'environnement et le changement climatique et comprendre des accords pour pouvoir surveiller différentes espèces du territoire du Nord-Ouest pour entreprendre des discussions pour protéger les aires ici pour soutenir les efforts de gestion de forêt. 2,8 millions de dollars pour continuer la transformation du Collège Aura. 2 millions de dollars pour soutenir les activités pour le département de justice, y compris la conduite avec les facultés d'activités, les programmes de cours, pour accroître de l'argent pour les aides urgentes aussi, pour de pouvoir des sommes aussi pour tous les programmes d'électricité de chauffage. 394 000 $ pour l'accord bilatéral pour la participation sportive et aussi 309 $ pour soutenir les femmes en leadership et dans les campagnes faites dans le Nord. Ça mène à la fin de mai. Des moments de ma déclaration, je serai ravie de répondre à toutes questions des députés. Merci, Madame la ministre. Alors, souhaitez-vous présenter des témoins? Oui, Madame la Présidente. Sergent des armes, s'il vous plaît, escortez les témoins dans la chambre. Ministre, souhaitez-vous présenter vos témoins? Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai ici à gauche Bill McKay, le sous-ministre des Finances, et Terrence Duquay, le secrétaire au comité de gestion. Merci. Maintenant, je vais ouvrir le plancher pour des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires généraux? Député de Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais savoir quel impact les dépenses supplémentaires vont avoir sur la réserve supplémentaire pour les opérations. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre. Madame la Présidente. Non, pas celui, c'est juste un... Alors, je vais voir si le sous-ministre ou M. Couture a ses renseignements à sa disposition. Sous-ministre? Merci, Madame la Présidente. Alors, l'impact sur la réserve supplémentaire, l'impact est 32 millions de dollars, un petit peu plus de 32 millions. Ça comprend justement les contributions du gouvernement fédéral
au gouvernement. Alors, l'impact net, c'est 32,8 millions. Alors, 35, on a une réserve de 35 millions. Alors, il y a 2,1 millions de dollars qui demeurent au sein de la réserve. Merci, Madame la Présidente. Député de Frame Lake. Oui, merci, Madame la Présidente, pour cela. C'est ça qui m'inquiétait, justement. Alors, il y a seulement 2 millions de dollars qui restent dans cette réserve supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe avec... On est seulement 2 mois dans l'exercice et ça se peut qu'il va y avoir 2 ou 3 budgets supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe une fois que cette réserve est épuisée? Est-ce qu'on a besoin des prêts? Ils ont besoin de payer des frais de prêts? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Merci, Madame la ministre. Alors, Madame la Présidente, si on dépasse le montant qui est disponible dans la réserve, cela, ça peut tirer de ce qui a été projeté comme surplus, comme excédent, pardon. Le député de Frame Lake, merci. Alors, la réserve supplémentaire, il y a deux ans, était de 65 millions de dollars. Alors, je me demande... Si quelqu'un pourrait m'indiquer pourquoi ça a été réduit à 35 millions pendant dans ce budget. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la ministre. Alors ça, c'est un montant ou une somme qui s'arrime avec les montants historiques de la réserve et peut-être un petit peu plus rehaussé. Alors, le 65 millions était un chiffre que nous avons ajouté, on a augmenté pendant la COVID lorsque c'était clair que tous les gouvernements faisaient face à des besoins inattendus qui se présentaient pendant cette période de temps. Alors, c'est certainement à la fin de la COVID, c'était clair qu'on n'aurait pas besoin d'augmenter la réserve supplémentaire. Merci. Député de Frame Lake. Merci, Madame. Alors, la Présidente, alors étant donné l'expérience avec la variabilité climatique ou l'urgence climatique, si vous me permettez de dire, au cours des dernières années à cause des incendies, des feux de forêt, pardon, inondations, alors ça se peut qu'on va devoir augmenter la somme de la réserve supplémentaire pour ne pas avoir des enjeux de dette ou alors qu'est-ce que le ministère va faire pour pouvoir s'attaquer à cette problématique? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça, c'est une question qui demande non seulement le ministère des Finances, mais aussi le ministère de l'Infrastructure et le ministère de l'Environnement et Changement climatique. Je pourrais avoir ces discussions avec mes pairs parce que ça... C'est pas la seule raison pour laquelle qu'on voit ces impacts sur ceci. Certains de ces impacts sont liés à les inondations qui ont été lieu au cours de la dernière année, mais plusieurs éléments qui sont rattachés à ces services sociaux. Qu'est-ce que j'aimerais noter, Madame la Présidente, et peut-être vous l'avez vu pendant notre budget principal, c'est que le ministère de l'Environnement et du Changement climatique a un budget de suppression des incendies présentement, si on compare historique, alors on vit justement à rehausser cela, mais ça soit la réserve supplémentaire ou ça devrait, selon les budgets des ministères qui font ce type de travail. Alors, je crois que ça, c'est une discussion plus large qu'on devrait avoir. Merci. Député de Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie l'engagement de la ministre d'avoir cette discussion avec ses collègues. Alors, je voulais juste confirmer qu'il n'y a pas de somme dans ce budget supplémentaire pour lutter contre les incendies ou le travail qui est en cours pour Hay River Catholic. C'est le cas? Merci, Madame la Présidente. Réponse? Merci, Madame la Présidente. Il n'y a rien de supplémentaire. Il y a un petit peu moins de 19 millions de dollars pour le ministère de l'Environnement et Changement climatique pour lutter contre les incendies. Alors, les efforts qui ont été entrepris pour lutter contre ces incendies vont découler de ce budget. Et en concernant toute la réponse d'urgence, ça encombre le ministère des Affaires municipales et communautaires. Alors, 90% de ces dépenses ou des fonds pour lutter contre les catastrophes, ça pourrait être rembourser, mais savoir comment ça va se faire. Puis les améliorations que nous avons apportées pour communautés sportives, pour soutenir les individus
Ceux-là sont financés à travers de cet élément. Merci. Député de Frame Lake, merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai un sentiment que ça va, qu'il va y avoir une autre, justement, une autre loi de crédit et d'autres fonds qui vont être nécessaires pour aider les résidents de Hay River. Mais je pense qu'on est en train de créer un trou encore plus large dans cette réserve supplémentaire qu'on aurait même souhaité. Mais je crois que ce que j'aimerais recevoir une explication de la part de la ministre, même avec cette loi de crédit, comment cela va avoir une incidence sur le surplus d'exploitation et sur nos obligations fiscales. Merci, Madame la Présidente. Alors, présentement, on anticipe d'avoir un excédent de fonctionnement et au-delà de ce qui serait nécessaire pour qui ne s'arriverait pas à les obligations en matière de la politique en matière de responsabilité fiscale. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est utile, mais pour que la ministre m'indique cela, mais serait-il possible dans des lois de crédit à l'avenir d'avoir un type d'annexe je vois même avec celui-ci, il y a une annexe. Serait-il possible d'avoir justement un type des échéanciers en matière de nos obligations fiscales ici de l'avant pour nous assurer que le public peut avoir des assurances, parce que ça, c'est les députés ici qui sont en train d'assurer la conformité de ce règlement. Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça se peut que vous avez rappelé justement qu'il y avait une révision justement de la politique de responsabilité fiscale, si il y a un engagement de faire plus de suivi de signalement au cours de l'année concernant où se trouve en matière de la politique de responsabilité fiscale. Cela sera publié à l'automne, qui n'était pas le cas auparavant. Alors, on peut certainement voir s'il y a une opportunité de faire cela lorsqu'il y a un budget supplémentaire d'infrastructure. Je ne pense pas qu'il y a aucun enjeu de le faire, mais je vais confirmer cela et si j'ai tort, on informera la Chambre. Merci, député de Frame Lake. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup cet engagement de la part du ministre. Je pense que c'est devenu une pratique typique ici que lorsqu'il y a des supplémentaires qui sont présentés, il y a un type de déclaration, présentation, des informations concernant la conformité avec la politique en matière de responsabilité fiscale. Alors, j'ai hâte de recevoir ces renseignements. Alors, on va avoir au mois d'août. Merci. Merci, Madame la Présidente. J'ai rien d'autre à poser. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires généraux? Maintenant, on va examiner le budget supplémentaire par mes ministères. Est-ce que le comité est d'accord d'examiner le contenu du document déposé au comité? Maintenant, on va commencer sur la page 3. Budget supplémentaire, dépenses, fonctionnement, numéro 1, 2023-24, le ministère de l'Assemblée législative, dépenses d'exploitation, le bureau des greffiers qui n'ont pas été autorisés auparavant. 23 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? Budget supplémentaire de dépenses, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-24. Le ministère de l'Assemblée générative, dépenses d'exploitation. Le total non autorisé, 26 000 $. Le comité est-il d'accord? Merci. Maintenant, on va aller à la page numéro 4. Les dépenses supplémentaires de dépenses, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-24. Le département d'éducation, la culture, l'emploi, les dépenses, les cotations, la gestion d'entreprises non autorisées, 1,8 million de $. Est-ce que le comité est d'accord? Budget supplémentaire de dépenses, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023, 2024, le ministère de l'Éducation, culture et l'emploi. Dépenses de fonctionnement de la et l'avancement de l'éducation non autorisé au préalablement, 2,7 millions de $. Est-ce que le comité est d'accord? Budget supplémentaire, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-24, des ministères de l'Éducation, de la culture et de l'emploi, les dépenses de fonctionnement, le montant non préalablement approuvé, 4 millions de $. Merci. Maintenant, vous allez à la page numéro 5. Budget supplémentaire des dépenses, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023, 2024, du ministère de l'Environnement, changement
climatique, dépenses, de fonctionnement, la gestion d'entreprise non autorisée au préalable, 219 000 $, ce que le comité est d'accord. Budget supplémentaire de dépenses, dépenses de fonctionnement numéro 23-24, le ministère de l'Environnement et Changement climatique, les dépenses de fonctionnement, l'environnement et changement climatique non autorisé au préalable, un petit peu plus de 3 000 000 $, ce que le comité est d'accord. Budget supplémentaire de dépenses numéro 1-23-24, le ministère de l'Environnement et Changement climatique, les dépenses de fonctionnement, les politiques non autorisées au préalable, 4,3 000 $, est-ce que le comité est d'accord? Comité, maintenant, on va passer à la page numéro 6, budget supplémentaire des dépenses, dépenses de fonctionnement, numéro 1-23-24, le ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Opération dépenses, la gestion de faune et la forêt non autorisée au préalable, un petit peu plus de 4 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? Le budget supplémentaire de dépenses numéro 1-23-24, le ministère de l'Environnement et Changement climatique, les dépenses de fonctionnement total non autorisées au préalable, 12 042 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? Maintenant, on va aller à la page numéro 7. Le budget supplémentaire, dépenses de fonctionnement numéro 1-23-24, le ministère des Affaires autochtones, le doctorat non autorisé au préalable, 270 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? Merci. Budget supplémentaire, les dépenses de fonctionnement numéro 1-23-24, le ministère de les Affaires l'exécutif et les affaires autochtones non autorisées au préalable, 270 000 $, sur le comité est d'accord. Maintenant, on est à la page numéro 8. Budget supplémentaire, dépenses de fonctionnement numéro 2023-2024, le ministère des Finances, dépenses de fonctionnement, le doctorat non autorisé au préalable, 17 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? Député de Framlick. Merci. Alors, j'ai rattrapé ce petit point ici. Alors, un des éléments ici, dans les territoires du Nord-Ouest, dans la Société d'énergie et l'énergie du territoire du Nord-Ouest pour offrir le financement pour la stabilisation des frais ici à cause des carburants supplémentaires pour les clients de 15 000 $. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce point-là? Le ministre des Finances. Merci, Madame la ministre. Donc, Madame la Présidente, alors les taux qui ont été intégrés lorsque ça reflétait une tarification beaucoup plus bas en matière de diesel. Alors, il y a quelques moteurs qui sont en train de rendre ça pas précis. Et qu'est-ce qui passe justement que les stabilisations de la tarification, c'est une approche. Alors, c'est une approche des services publics lorsqu'il y a ce type de prix, ça va créer un type d'éléments en place, que ça va mettre une hausse sur les frais au lieu de que les résidents font face à une hausse de tarification, étant donné de toutes les certitudes et les défis économiques auxquels on fait face pour les individus à l'échelle nationale. Nous avons proposé cette solution pour offrir ce montant unique pour vraiment compenser ces dépenses. Pour être très clair, alors il y a deux éléments clés ici, il y a le prix du carburant, mais il y a aussi des niveaux d'eau assez bas, on m'a dit que c'est quelque chose de cyclique, mais en vertu de ces niveaux d'eau plus bas, on a besoin d'utiliser plus de carburant. Alors, ça entraîne de consommer plus de carburant, alors les gens doivent payer davantage. Amen. Merci. Alors, est-ce que ça va être exigé de maintien en continu? Alors, le gouvernement va dire qu'il y a 15 millions. Est-ce qu'on va devoir dédier ça davantage? La ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Ça, c'est un financement unique pour pouvoir faire face à ça. Je ne veux pas faire semblant que les définités, que les coûts élevés de carburant, de tarification, ça va disparaître, mais il y a une demande qui est en train d'être examinée c'est par exemple qu'on va espérer un petit peu plus d'assouplissement. Merci.
C'est vraiment que les gens arrêtent d'utiliser ou le NTC de ne pas utiliser le carburant. Je pense que ça fait partie d'une discussion plus large, mais ça, c'est la même chose qui a eu lieu en 2014. Et il y a beaucoup d'argent qui a été dû pour pouvoir stabiliser la tarification. Alors, ça semble se répéter à plusieurs reprises. Parce que je ne sais pas, parce que c'est le NTPC devrait se pencher justement de bâtir l'autosuffisance énergétique pour les communautés et pour le ménage. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de bâtir des projets d'envergure et de bâtir des systèmes qui sont complètement désuets. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on essaye de faire de pouvoir sortir de notre cycle pour pouvoir faire suffisamment d'un fonds de stabilisation, de tarification et qu'on fait des paiements en vertu de ce programme? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, alors c'est un défi d'être capable d'offrir l'électricité à des paysans dans une grande région géographique. La plupart de ces communautés ne sont pas connectées à l'autre et pas à l'autre. Pas un réseau plus large. Alors, suite à les annonces, alors le projet Nordique va aller de l'avant qui vise justement de viser une alternative pour pouvoir identifier pour une alternative au diesel, autant donné qu'il pourrait avoir des. Alors, à un moment donné, on va arriver à un lieu que le système de hydrotension va mettre en place. Ça va offrir l'alternative pour juste au scénario, au lieu d'utiliser, de brûler du diesel dans un système hydroélectrique. Alors, il y a des projets qui sont dans la pipeline, mais il y a beaucoup de travail qui doit être fait de tous les côtés pour pouvoir identifier des alternatives aussi aux alternatives de lier les gens à ces systèmes, de pouvoir réduire le nombre ou d'accroître le nombre de consommateurs corporatifs, toutes les différentes solutions. Ça, c'est un enjeu qui est en cours. Merci, député. Frame Lake. Alors, vraiment, juste en tant que député, on n'a pas vraiment assez d'informations de surveillance. Et là, si on regarde les budgets, on n'a pas les. Même si c'est une partie, c'est traité à travers le Conseil des services publics. Ils ont un conseil qui prend des sous-ministres trop longtemps. Puis, alors, justement, le hasard. De mai le 28, et selon le ministre des Finances. Madame la ministre, alors, il y a une option information développée par l'exécutif et les affaires autochtones qui viennent justement de mettre en place un conseil de directeur ou pour mener l'examen et l'éducation de nommer un conseil d'experts indépendants. Et cela sera pas d'ici la session de mai-juin 2023, mais on peut encore cette discussion en cours. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce qui se passe? Alors, il devrait avoir une publication d'option. Alors, on devrait voir quelque chose ici dans le domaine, mais c'est le chantier qui a été ou le délai qui a été établi. Député de Framebreak, merci à la fois. On a des délais, mais selon la déclaration, c'est d'ici la session de mai-juin 2023. Alors, il reste 3 jours. Alors, je me demande, je vais apprécier qu'on ait assez de temps de pouvoir se pencher sur cela, de se soulever des enjeux qui doivent être examinés par la Chambre. Alors, j'apprécie que cela soit rendu disponible demain, mais je ne pense pas que cela va résoudre tout le fonds de stabilisation, de tarification qui semble être. Qu'elle continue parce que c'est quelque chose de structurel de la société énergétique. Et je pense que la prochaine Assemblée va faire face à la même enjeu juste à temps qu'on est capable de mettre en place un plan énergétique véritable. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu encore. Merci, Madame la Présidente. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, le député? Non? Alors, d'autres questions en vertu de cette portion? Député de
Merci, monsieur. Madame la Présidente, est-ce que je peux avoir votre déchet? Qu'est-ce qu'ils ont appliqué en temps de taux du diesel? Quel est le prix du diesel? Je pense que c'est $1, $1,50, mais ces chiffres, est-ce que sont exemptés de la taxe sur le carbone? Alors, je me demande si on peut m'offrir ces montants. Madame la ministre, alors oui. Alors, les prix du carburant et le taux, c'est 1 $. Alors maintenant, c'est le prix du marché, c'est beaucoup plus élevé qu'à 1,50. Alors, ça, c'est une hausse assez significative. Et la génération d'électricité est exemptée de la taxe de la demande de l'application ou de la mise en œuvre de la loi sur le carbone. Député il y a 9 ans. Tu n'as pas d'autres questions? Dépenses de fonctionnement? Ministère des Finances, montant n'ayant pas été autorisé au préalable. Avons-nous le consentement du comité? D'accord. Dépenses supplémentaires, dépenses de fonctionnement 2023-2024, ministère des Finances, montant total pour le ministère 17 834 000 $. On passe à la page 9, dépenses supplémentaires, numéro 1, 2023-2024, ministère de la Santé et des Services sociaux, dépenses de fonctionnement, coûts administratifs et services de soutien, $4 101 000. Les membres du comité sont-ils d'accord? Dépenses supplémentaires, 2023-2024, ministère de la Santé et des Services sociaux, dépenses de fonctionnement, services sociaux et sanitaires, $3 187 000. Les membres du comité sont-ils d'accord? Le député de Frame Lake. Merci. Un poste budgétaire vise à financer les services obstétriques à l'hôpital Stanton, $762 000. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la durée ou les dates qui sont ciblées par ce financement? C'est pour l'exercice financier actuel 2023-2024 et sert à s'ajouter au financement pour 5 postes supplémentaires et il y a en fait 6,25 postes. Le député de Frame Lake. Merci. L'année dernière, il y avait un moment où l'unité d'obstétrique était fermée. Quel a été le coût de cette fermeture au niveau du transport à d'autres hôpitaux et quels ont été les coûts associés? La ministre. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas ces informations sous les yeux, mais je peux faire un suivi auprès du député. Ou peut-être nous avons une estimation. La ministre. Madame la Présidente, en fait, nous avons calculé cela. $1,1 million en coûts de transport et en coûts d'hébergement pour ceux qui ont dû aller ailleurs pour leur accouchement. Le député de Frame Lake, c'est bien que nous partageons la même conclusion. Donc c'est bien que la ministre a pu trouver ce chiffre. Donc est-ce que nous allons éviter ce problème à l'avenir? Est-ce que c'est ça l'objectif de cette dépense? La ministre. Madame la Présidente, les 4 dernières années ont été une période où il y a eu toutes sortes d'urgences imprévues. C'est pour ça que nous embauchons plus d'employés afin d'éviter la situation qui a eu lieu il y a à peu près un an où ce pénurie de main-d'œuvre nous a obligés de réduire l'accès aux services.
Et c'est une priorité d'éviter cela. Donc, il y a eu pas mal de financements dans le budget principal et dans les crédits supplémentaires pour appuyer le réseau de la santé au niveau des ressources humaines. Cela dit, Madame la Présidente, les besoins sont criants à l'échelle du réseau de la santé. Donc, l'ajout de 6 postes à temps plein est quelque chose d'important. Cependant, il y a d'autres besoins criants à l'échelle du réseau. La priorité, c'est de continuer à pouvoir offrir les services. Mais cependant, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Le député de Frame Lake. Merci. Donc le coût d'1,1 ou 1,2 million de dollars de fermer cette unité et ensuite de la rouvrir, en fait ça coûte beaucoup moins si on engage plus d'employés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez simple, mais nous devons essayer d'éviter ce problème à l'avenir. Et si ça veut dire dépenser plus d'argent et économiser de l'argent à long terme, c'est ce qu'il faut faire. Député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais poser quelques questions sur la stratégie de prévention de suicide. La ministre peut-elle confirmer que c'est le financement qui découle des négociations avec les simples députés? La ministre des Finances. Oui. La députée de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais à ce que le chiffre soit plus élevé. Ce n'est pas la faute à la ministre que ce n'est pas plus élevé. Je comprends là où nous en sommes au niveau financier. Cependant, il me semble que nous allons payer plus en aval. C'est une bonne idée d'investir dans les jeunes personnes. Comme vice-présidente du comité sur les affaires sociales, c'est vraiment un choc de savoir que c'est pas toutes les collectivités qui entrent un centre de loisirs. Donc nous avons besoin de mieux financer la prévention des suicides et les services aux jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Crédit supplémentaire, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024. Ministère de la Santé et des Services sociaux, dépenses de fonctionnement, programmes sociaux et sanitaires, 3 187 000 dollars. Les membres du comité sont-ils d'accord? Dépenses supplémentaires de fonctionnement numéro 1, 2023-2024, ministère de la Santé et des Services sociaux, dépenses de fonctionnement, soins de longue durée, dépenses n'ayant pas été autorisées, 2 243 000 dollars. Dépenses supplémentaires, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024, ministère de la Santé et des Services sociaux, dépenses de fonctionnement, montant total pour les ministères, 9 531 000 dollars. Les membres du comité sont-ils d'accord? Veuillez passer à la page 10. Dépenses supplémentaires de fonctionnement numéro 1, 2023-2024, ministère de l'Industrie, du Tourisme, des Investissements, gestion d'entreprise, 89 000 dollars. Les membres du KIX, du comité sont-ils d'accord? Dépenses supplémentaires, ministère de l'Industrie, du Tourisme et des Investissements, dépenses de fonctionnement, diversification économique et soutien d'affaires, montant n'ayant pas été autorisé au préalable, 2 929 000 dollars. Le député de Frame Lake. D'abord, je tiens à dire que j'adore le poisson, je le mange aussi souvent que possible. Ici, il y a 2,2 millions de dollars pour le fonctionnement de l'usine de transformation de poisson. Est-ce que c'est une dépense continue, quelle sera la situation à l'avenir? Non, ce ne sera pas une dépense continue.
Ça fait partie de la transition et nous aurons donc cette usine de transformation à Hay River et au cours des prochaines années, il y aura une transition vers un modèle local, mais en ce moment, nous devons l'ouvrir. Donc la consommation de poissons est en baisse. Il y a donc un écart pour ce qui est de la première année au niveau des recettes comparé au coût d'exploitation. Nous aurons certaines recettes qui vont contrebalancer ce montant, mais nous voulons pouvoir exploiter cette usine de traitement et appuyer la revitalisation de l'industrie en vendant du poisson au sud. Ça va nous permettre d'augmenter la production et donc nous n'allons plus devoir subventionner l'usine. Le député de Frame Lake, merci. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui investissent dans cette usine, le gouvernement fédéral? Merci. La ministre. Merci, Madame la Présidente. Oui, il y a eu d'importantes contributions du fédéral à la construction de l'usine et au secteur dans son ensemble. Le montant est assez important. Je ne sais pas s'il y a un financement pour cette usine, mais il me semble que le fédéral participait à l'approvisionnement de certains équipements. Il y a eu beaucoup de soutien, mais pas pour ce qui est de cet élément de notre stratégie du poisson. Le député de Frame Lake. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce que cette usine génère des recettes et comment est-ce que ça va contrebalancer cet investissement et quand est-ce que nous allons commencer à voir ces revenus? La ministre des Finances. Nous espérons avoir $1 million en revenus cette année et l'année suivante, ce sera 1,5 ou 1,6 million de dollars selon le niveau de production. Et ces montants vont contrebalancer les coûts d'exploitation. Si la production sera plus élevée, les revenus le seront aussi. Et donc, on espère voir un effet de boule de neige. Plus il y a de production, plus il y a de revenus. Et donc, le coût du poisson va grimper alors que nous fournissons le produit au marché du Sud. Donc, il y a beaucoup de différents éléments, mais cette usine en fait partie. Le député de Frame Lake, merci, très bien. Et moi, j'appuie cette dépense, je suis pour la diversification économique, j'adore le poisson, mais j'espère que le prix ne sera pas trop élevé. Et c'est bien de poser des questions, et peut-être d'autres députés auront des questions. Mais moi, je soutiens ce financement. Député de Great Lake. Merci, Madame la Présidente. J'ai aussi quelques questions sur cette usine. L'ouverture de cette usine va-t-elle signifier que les pêcheurs recevront plus d'argent pour ce qu'ils livrent à l'usine en vertu de l'accord actuel ou comparé à l'accord actuel? La ministre, à l'heure actuelle, les TNO sont le seul signataire de la loi sur la mesure législative pertinente. Donc, on garantit un certain prix pour les pêcheurs. Mais c'est un montant garanti, mais ça crée aussi un plafond. Et on n'arrivera pas à tirer profit des marchés qui existent déjà au niveau du poisson d'eau douce. Donc, cette usine nous permettra d'être certifiés. Nous allons pouvoir vendre le produit au marché du Sud et nous allons pouvoir hausser le prix. Mais nous devons nous retirer de la loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. Nous allons peut-être devoir prévoir des exemptions. La députée de Great Lake. Pourquoi sommes-nous le seul signataire de cette loi qui, en fait, mine les activités de nos pêcheurs?
Le gouvernement fédéral avait dit qu'il allait mettre un terme à la société sur la commercialisation du poisson d'eau douce. Et donc, il nous semblait que c'était logique d'attendre ces gestes de la part du fédéral. Ils espéraient voir d'autres solutions. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé très vite. Cependant, nous n'allons plus attendre le fédéral et nous allons identifier une voie de l'avant sous forme d'exemption comme mesure temporaire permettant aux pêcheurs de vendre à l'extérieur de la région prévue dans la loi, où nous allons façonner notre propre projet de loi nous permettant de ne pas dépendre de la loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. On aurait pu le faire il y a quelques années, c'est possible, mais c'est en raison des retards causés par le fédéral. La députée de Great Slave, merci de cette réponse. On aurait dû nous en retirer il y a très longtemps. Et donc, ce montant de 2,2 millions de dollars, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas pour augmenter les salaires des pêcheurs plutôt de payer l'exploitation de l'usine, car ces coûts seront payés alors que la production augmente. Donc si on ne paie pas, ou si les pêcheurs ont des salaires adéquats, ce sera une situation difficile. Et si on augmente les salaires des pêcheurs, les coûts d'exploitation de l'usine seront inférieurs. La ministre, à l'heure actuelle, les pêcheurs peuvent demander des subventions pour payer leurs équipements. Ils se font soutenir au niveau de la formation en hiver et en été. À l'heure actuelle, nous sommes en train de prévoir un financement supplémentaire. Il y a eu déjà deux rondes de financement. On va avoir des mentors et des stagiaires à bord des bateaux. Il y a des subventions pour des bateaux de frais. Et il y a aussi une mesure de soutien pour la production de poissons dans les TNO. On a pris quelques décisions pour inciter la production. Donc, on veut que la production augmente et on veut venir en aide aux pêcheurs, mais nous voulons aussi que l'usine soit ouverte afin de permettre la vente directe du poisson. Donc, nous essayons de faire toutes ces choses avec nos moyens limités. La députée de Great Slave, je ne sais pas si vous avez répondu à ma question. Je comprends qu'il y a un juste équilibre à atteindre, mais les pêcheurs demandent des prix plus élevés. Donc, si les Tuchos me disent une chose et vous me dites une chose qui est différente. Donc, parler de subventions, de formation, c'est bien, mais au cours de cette saison estivale, les pêcheurs auront des salaires tout à fait inadéquats. Donc d'après moi, c'est vraiment un très mauvais plan. Le député de Hay River Sud. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec la députée de Great Slave. Ce n'est pas un bon plan. On parle d'un modèle d'affaires. C'est une industrie qui ne gagne qu'1,5 million de dollars par an. Donc on investit 20 millions de dollars dans un bâtiment, 2,7 millions de dollars aux fins de l'exploitation de l'usine. C'est peut-être pour la première année. Donc il y a vraiment une certaine incohérence. Nous avons très peu de pêcheurs. Moi, je viens de Hay River, je parle aux pêcheurs. Il y en a plusieurs qui sont membres de Tucho, il y en a qui ne le sont pas. Donc je parle à tout le monde pour bien comprendre leurs besoins. Ils veulent quoi? Plus d'argent. Si vous leur donnez plus d'argent, on va attirer plus d'employés. Mais afin de le faire, il nous faut un marché. Il faut des clients qui sont prêts à payer
les prix plus élevés pour ce poisson. J'espère que nous n'allons pas payer 2,2 millions de dollars pour faire fonctionner cette usine, étant donné que nous ne produisons qu'un million de dollars de poissons par année. Donc il nous reste très peu pour réinvestir. Nous avons beaucoup de travail à faire. Ce que nous devons faire, c'est étudier les coûts. Il faut déterminer quelles autres sources de financement existent. Nous savons que le fédéral y apporte des investissements. Et donc, il y a beaucoup à faire au niveau des équipements, le secteur de pêche, où la pêche hivernale est très importante. Mais en fait, il me semble que cette usine est vraiment un peu trop. Donc, lorsqu'on fait ce genre d'investissement, il faut le faire correctement. Avec le montant que nous dépensons, ça serait peut-être mieux de payer les pêcheurs à rester chez eux à chaque année. Mais nous ne voulons pas faire cela. Nous avons un lac qui est plein de poissons. Donc, nous devons bien faire cet investissement. Nous devons nous pencher sur les coûts, sur les origines du financement utilisé. Il y a un certain financement aux fins de formation. Donc moi, je pense aux pêcheurs et je les ai consultés. Je veux optimiser ce qu'ils reçoivent comme prix. Donc comment peut-on le faire? D'après moi, c'est commercialiser le poisson et c'est vendre le poisson à ceux qui sont prêts à payer un prix plus élevé. Sinon, la situation sera vraiment pitoyable et je ne veux pas perdre ce secteur. La ministre, une autre chose qui a été faite dans le cadre de notre stratégie de pêche était des efforts pour bien comprendre le marché. Et on nous dit qu'il y a un très bon marché pour ce poisson d'eau douce et pour le produit disponible ici dans les TNO. C'est un très bon produit, mais avec l'envahissement de l'Ukraine, le prix est à la hausse et la demande aussi. Donc nous sommes à un moment où nous aimerions pouvoir tirer profit des marchés qui existent. Et la société au Manitoba n'est pas là pour optimiser le prix, mais pour le stabiliser. Nous voulons le maximiser. Il faut une production accrue chez nous, mais les subventions ne le feront pas. Et les gens, pour rester chez eux, n'augmentent pas la production. Nous devons inciter la production. Nous avons eu quelques discussions aujourd'hui, même j'ai reçu quelques informations sur les discussions avec les pêcheurs afin d'encourager les gens à augmenter la production. Nous avons besoin de prix plus élevés. Nous devons ouvrir l'usine pour augmenter les prix. Nous sommes dans une situation difficile. Nous essayons de faire beaucoup de choses en même temps avec des moyens financiers limités. Donc nous voulons ouvrir l'usine, la faire fonctionner et vendre le poisson. Ce seront des étapes de l'avant. Le député de Hay River Sud. Je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de différents éléments. Nous avons cette usine et nous avons besoin d'un bon niveau de production. Nous avons besoin de pêcheurs qui produisent beaucoup de poissons, mais nous ne l'avons pas en ce moment. Nous avons des pêcheurs qui s'intéressent à vendre leurs produits à l'usine et d'autres personnes s'intéressent à la vente locale. Et ils reçoivent un bon prix. Donc lorsqu'on parle de l'éventuelle production à l'usine, en fait, une certaine partie de cette production demeure dans le nord, les ventes sont privées.
Donc, une autre question se pose, est-ce que l'usine sera en compétition avec les producteurs locaux qui vendent leurs produits localement? Donc, cela pourrait toucher leurs résultats nets et ça va aussi influencer les recettes de l'usine. Donc, il y a beaucoup de différents éléments dans cette situation. Le ministère de l'Industrie parle aux pêcheurs, les pêcheurs me parlent, il y a d'autres personnes, le fédéral y participe. J'ai consulté Tucho. J'aimerais donc organiser une conférence sur la pêche, on n'en a pas eu une depuis 40 ans. Donc, ça nous permettrait de créer un plan qui fonctionne pour l'usine, pour les pêcheurs. Ça va nous permettre d'attirer plus d'employés. Donc, ça serait bien d'avoir un engagement de la part de la ministre pour organiser une telle conférence. Je crois que c'était il y a 30 ans où on a commencé à parler de cette usine. Et c'était grâce à une conférence qui n'a duré qu'un jour. Et deux choses viennent de cette conférence. En fait, l'usine que nous étudions à l'époque était une usine de 3 à 4 millions de dollars, mais finalement les prix ont beaucoup augmenté. Donc c'est juste une suggestion par la ministre, elle ne doit pas prendre d'engagement aujourd'hui vis-à-vis de cette conférence, mais elle peut se pencher là-dessus. La ministre, merci, je serai heureuse de me pencher là-dessus. Lorsque j'ai assumé responsabilité il y a 2 ans, je suis d'accord. Ça serait bien d'organiser un forum ou une conférence où on dissémine les informations sur le secteur de la pêche afin d'éviter des malentendus concernant ce qui se passe, les gens qui font la formation, qui veulent faire la formation. Donc, c'est vraiment difficile parfois de faire en sorte que tous les acteurs du milieu s'intéressent à ce genre d'activité. Les pêcheurs veulent pêcher. Je suis d'accord. Nous voulons susciter l'intérêt vis-à-vis de ce produit. Il y a beaucoup de croissance possible dans ce secteur. Donc, je vous comprends très bien. Et je vais me pencher là-dessus au sein du ministère. Le député de Hay River Sud, ce n'est pas difficile d'organiser une telle activité. Il faut tout simplement un engagement pour organiser une telle conférence. C'est ce qu'on a fait par le passé et finalement, de bonnes choses se sont produites. Dépenses supplémentaires, dépenses de fonctionnement 2023-2024, ministère de l'Industrie, du Tourisme, diversification économique, soutien aux affaires, 2 929 000 dollars. Avons-nous le consentement du comité? Député de Montfouy. Merci. Donc, financer les programmes d'entrepreneuriat. En fait, c'est un très bon programme. C'est un programme qui est très important pour les petites collectivités. Il y a pas mal de gens qui s'en servent aux fins de développement économique. Et beaucoup de ces personnes utilisent des programmes des arts dans le cadre de leurs efforts de guérison. C'est aussi bon pour le secteur touristique. Nous avons rencontré quelques artistes et ils nous ont dit qu'ils veulent être indépendants. Ils veulent que le Conseil des arts soit indépendant. Donc, c'est quelque chose qu'ils nous ont dit. Donc, j'aimerais poser la question suivante à la ministre. Ce chiffre 375,
Est-ce que c'est le montant négocié avec les députés? La ministre. Oui. Merci. La ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est un montant alloué aux arts dans un programme du ministère de l'Industrie. Je ne suis pas au courant de la ventilation. Il me semble que ça se fait par voie de demande. Merci. Merci. D'autres questions de la députée de Manfouy? Non. Non, ça va. J'avais l'impression que c'était le but de ce financement. C'est le chiffre que nous avons négocié. Dépenses supplémentaires, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023, 2024, ministère de l'Industrie, dépenses en diversification économique, en soutien d'affaires, $2,929,000. Les membres du comité sont-ils d'accord? Dépenses supplémentaires, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023, 2024, ministère de l'Industrie, dépenses de fonctionnement total du ministère, $3,018,000. Les membres du comité sont-ils d'accord? Passer la page 11, dépenses de fonctionnement numéro 1, ministère de l'Infrastructure, dépenses de fonctionnement, gestion du gouvernement, pas utilisé préalablement, $740,000. Le comité est-il d'accord? Estimation supplémentaire, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023, 2024, ministère de l'Infrastructure, dépenses de fonctionnement, énergie et initiative stratégie, pas autorisé préalablement, $1,550,000. Le comité est-il d'accord? Dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023, 2024, ministère de l'Infrastructure, total $2,295,000. Le comité est-il d'accord? Oui. Passez à la page 12. Dépenses supplémentaires, pas autorisées préalablement, ministère de la Justice, dépenses de fonctionnement, justice communautaire, pas autorisées préalablement, $656,000. Est-ce que le comité est d'accord? Dépenses pas autorisées préalablement, ministère de la Justice, services judiciaires, $300,000. Le comité est d'accord. Dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024, ministère de la Justice, dépenses de fonctionnement, services d'aide juridique, pas autorisées préalablement. $1,072,000. Le comité est-il d'accord? Numéro 1, 2023-2024, ministère de la Justice, dépenses de fonctionnement, services policiers, pas autorisé préalablement. $1,524,000. Le comité est-il d'accord? 2023-2024, ministère de la Justice, dépenses de fonctionnement, services gouvernementaux, pas autorisés préalablement, $979,000. Le comité est-il d'accord? Dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024, ministère de la Justice, dépenses de fonctionnement, tout le département, pas autorisé préalablement, tout le ministère, $1,549,000. Le comité est d'accord. Maintenant, passez à la page 13, s'il vous plaît. Dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024, ministère des Affaires communautaires et municipales. $48,048,000. Le comité est-il d'accord? Estimation supplémentaire, dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024,
ministère des affaires municipales, sécurité publique, 400 000 $. Le comité est-il d'accord? Oui. Dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024. Ministère des communautaires, sport, loisirs, jeunesse, 894 000 $. Le comité est-il d'accord? Dépenses de fonctionnement numéro 1, 2023-2024. Ministère des Affaires communautaires et municipales, dépenses de fonctionnement pour tout le ministère, 49 744 000 $. Le comité est-il d'accord? Le député de Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. Nous déférons que le comité défère ce document à ce moment-ci. Merci, Madame la Présidente. La motion est proposée de reporter l'examen du document. La motion a été proposée. Tous en faveur, levez la main. Tous contre. La motion est adoptée. Le document déposé 941-19-2 sera reporté. Merci, Monsieur le ministre. Et le député... Madame la ministre, merci, le député de Framwick, je propose que la présidente fasse rapport du progrès. La motion est proposée, tous en faveur, tous contre. La motion est adoptée. Je vais maintenant donner un rapport de progrès. Le sergent peut accompagner les témoins de la Chambre. Merci. Est-ce que je peux demander
le rapport du comité de la députée des Nouvelles-Trimlics. Votre comité a considéré le document 941 et nous souhaitons rapporter du progrès et nous recommandons l'acceptation des progrès. Oui, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Oui. Tous en faveur? Tous contre? Abstention? La motion est adoptée. Troisième lecture des projets de loi. Oui, le ministre de la Justice. Je propose, appuyé par le député de Yellowknife Centre, que le projet de loi 79, loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire, soit lu pour la troisième fois. Et, M. le Président, je demande un vote enregistré. Merci, M. le ministre. La motion est proposée. La question est appelée. Le ministre demande un vote enregistré. Tous en faveur, levez-vous, s'il vous plaît. Le député de Hay River North. Le député de Inuvik-Twin-Lakes, Ed Schulk. Député de Hay River Sud. Député de Sabacha. Député de Frame Lake. Député de Nuakwekt. Député de Tunide-Welladay. Député de Moufoui. Député de Great Slave. Député de Nehinde. Député de Yellowknife Sud. Député de Satou. Député de Range Link. Député de Inuvik-Bootlake. Député de Yellowknife Centre. Tous contre, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Toute abstention, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, les résultats du vote enregistré. 16 en faveur, 0 contre, 0 abstention. La motion est adoptée. Le projet de loi 79 a été adopté en troisième lecture. Troisième lecture de projet de loi. Troisième lecture. Collègues, avant de terminer pour la journée, je vais donner mes résultats pour le point d'ordre. Le député de Great Slave s'est levé à indiquer que la première ministre a entravé les règlements de procédure, donc les paragraphes H, I et K. La première ministre a indiqué que ces comités étaient des observations du comportement de la députée. Comme la caméra ne pointe que sur la personne qui parle, je ne peux pas passer une révision ce qui est arrivé dans la chambre. Et je ne peux pas déterminer, je ne suis pas en mesure de déterminer ce qui est arrivé, mais je dois noter que la première ministre a indiqué que ses commentaires n'auraient pas pu être appropriés dans le contexte de sa réponse. J'aimerais vous rappeler que tous les membres doivent adresser leurs propos et leurs répliques à moi, à titre de président. Ça me permet de contrôler le débat, mais plus important encore, ça enlève l'élément personnel de ces échanges, surtout lorsque les débats deviennent animés. Je tiens à rappeler à tous les membres de se conduire ou d'adresser toutes leurs remarques au président ou au président du comité plénier. La meilleure façon de faire cela, c'est de regarder le président de la Chambre quand vous parlez. Cela permettra de maintenir un degré de respect dans vos propos. En ce qui concerne ce qui s'est passé, ne peut pas être prouvé ou justifié. Je ne suis pas capable de rendre jugement. Ordre du jour. Oui, merci. La commission de la gestion va être... voici l'ordre du jour. Prière, déclaration des ministres, déclaration des députés, présentation des visiteurs dans la tribune, remerciements, questions orales, questions écrites, réponses aux
Question écrite, réponse au discours, doit être sur la commissaire, pétition, dépôt du document, avis de motion, motion, avis de motion tendant à la première lecture de loi, première lecture des projets de loi, donc 92, deuxième lecture, 64, étude en comité plénier des projets de loi et d'autres affaires, projet de loi 23, 29 et 90, rapport du comité plénière 61, 941, 940, troisième lecture des projets de loi et autres jours. Merci. La Chambre est adjournée jusqu'au 31 mai 2023 à 13h30.